Nous sommes en live, les amis, et vous êtes sur Twitch, sur Creative Wargame pour le Creative Wargame Championship 3. Et ce soir, nous allons jouer le quatrième quart de finale, le quatrième et dernier quart de finale d'ailleurs, qui va opposer les deux joueurs ici présents, les Titans. On vous a invité les Titans du Wargame. Ils ne rentrent même pas dans la pièce, les types. On est obligé de se coller au mur. On vous fera une démonstration aussi tout à l'heure pour ceux qui ne savent pas comment. Dans le Seigneur des Anneaux, ils ont fait les plans avec les hobbits et les hommes. Vous allez voir comment ça se produit parce qu'on va pouvoir le faire en live. C'est absolument incroyable. Donc vous verrez que les effets spéciaux de Peter Jackson ne sont pas si incroyables que ça. Donc vous êtes sur Twitch, les amis, et j'ai à ma droite, juste ici, l'homme qui incarne la turgescence. La bête immonde. La trop méchante bête immonde. La trop méchante bête immonde, Manol Druss, Manolo le turgescent, Manol l'ours, Manol Cat, depuis peu, depuis vraiment peu, depuis très très peu. Et donc, on t'accueille, Manu, c'est un véritable plaisir d'arriver à live. Merci. C'est la première fois oui. qu'on te voit en live. On avait fait un battle report. Ouais, carrément. Et ouais, c'est le premier live que j'ai fait. Alors, absolument. Ça fait quoi J'hésite entre parler en roumain ou pas. Non, non. Non, non, non. Je fais pas le roumain. Non, je fais pas le roumain. Allez, d'accord, je fais pas le roumain. Yes, ce soir, tu nous viens avec quelle armée Craftworld. Bah, ouais. Je viens avec ma liste pour le WTC, hein, parce que je vais le faire avec la team Portugal. Yes. Donc, Craftworld. Et là, j'ai tous mes points en plus. Parce que ça a merdé quand j'ai envoyé sur BCP. Et les mecs, ils ont eu que la moitié de ma liste. Okay. Et là, je suis venu avec toute ma liste. La liste entière est là. Ouais. Okay. Toutes les figurines sont là. Super. Quel vaisseau monde Custom. Hail of Doom. La Grail de mort. Ouais. Ok. Le grand classique. Eh ben, tu vas affronter ce soir l'homme qu'on appelle Hugo si ou Ugolgot. Ugolgot, ouais. Ou Hugo Frey. Ah ouais. Ah yes. Ou Hugo, tout simplement. Voilà, ça fait plaisir. Tu nous viens avec quelle armée, Hugo? Je viens avec la WAG. La WAG des orques. Les orques de quelle maison? On voit Gascule là, donc je pense qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer que c'est Goff. Yes, est-ce qu'on peut passer sur la Zénithale, Francky? On joue le scénario 13, hein, comme on joue depuis tous les quarts de finale. Le scénario 13, la table WTC numéro 1. Et vous avez à apparaître à l'écran, t'inquiète, on va vous remettre les scores avec les blazes qui vont bien. Et j'invite les deux joueurs à passer chacun d'un côté de la table. Et on va commencer par présenter les orques. Alors, vas-y, fais-nous un petit point de ce que tu as déployé, s'il te plaît. Alors, est-ce que je présente aussi déjà mes secondaires? Est-ce que mon déploiement... Ok, d'accord. C'est tout simple, en fait. J'ai voulu un petit peu couvrir partout. Donc, du coup, je me suis mis là. J'ai mis une Kirig là, j'ai mis un truck ici, j'ai mis des squigs, j'ai mis le tonton boss sur squig avec tout ce qui va bien qui tape comme une brutasse. J'ai mis le père Gascule. Il y a les petits squigs ici, il y a son copain Macari là, et du coup j'ai mis une autre vague en fait plutôt sur ce côté-là avec Akirig, le Dread, un truck dans lequel il y a 10 camionneurs, donc ce sont les orcs qui peuvent bouger et faire leur vie après le mouvement du truck, ouais. Exactement, donc je peux advance éventuellement et charger si je suis en wag. Et j'ai mis ici 3 vagues consécutives de Gretchen pour mon secondaire, et j'ai mis juste devant un pack de 10 Storm Boys. Sous les Boys? Les Boys, ils sont embarqués, hein, ils sont tous embarqués dans les Kirig. Ok, combien? Alors il y en a 10 à chaque fois, ça prend combien que 10. T'as pas beaucoup de Boys? Tu verras, quand ils seront sur table, on aura un peu plus. Oh, ok, ça roule. Ça prend là, donc vous avez des Meganobs dans là, ce truck. Il y a des Meganobs avec les lance-flammes, bien évidemment. Yes. Et voilà ce que ça donne au global de la situation. On va passer de l'autre. Et en FEP, t'as des choses en FEP? J'ai rien en FEP. Moi, je mets tout par terre sur table. Ok, ça roule. Eh ben, Eldar, on commence par ce petit gars là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Eh ben, écoute, tu vois, il tourne le dos aux orques et il a décidé de partir. Il est ambitieux quand même, ce homme là. Il est très ambitieux. Ok, il est là en infiltration. C'est ouais. Karandras. C'est Karandras. Il est à 9 pouces de sa zone de déploiement. Donc voilà, ça me permettra, si j'ai le terrain, d'éventuellement aller leur dire bonjour, sinon bah, il partira ailleurs. Tu as mes serpents qui sont pleins de vengeurs, avec Azurman qui est dans celui-ci là. Des lances de lumière ici. Des Rangers. Une unité de moto canon chou ici. Yes. Une autre qui se planque ici.
Voilà, ici tu as tous les persos, des archontes, les grands prophètes, etc., qui sont là, qui vont faire leur vie. Et ici, tu as une unité de Banshee qui est en train de se demander ce qu'elle fait là. Ok. Ça a le mérite d'être clair. On peut repasser sur la zénithale. Yes, scénario 13, je vous rappelle. 2, 3 et plus que l'adversaire pour les 4, 8 et 12. Data, salvage, vous devez faire une action sur l'objectif dans votre zone. Donc ici, je suis un orc. Et à la fin de ma phase de, à la fin de mon tour, je mets autant de points que je contrôle d'objectifs dans le centre jusqu'à un maximum de 3. Voilà, les objectifs qui sont dans le No Man's Land, si vous les contrôlez avec unité objectif sécure, il est à vous, vous le stickez, vous pouvez partir. Même si vous n'avez plus d'unité, il est à vous jusqu'à ce que mort s'en suive. Et voilà, on va passer juste, hop, je te passe ça. On va passer sur la présentation, tiens vas-y, mets-toi là. Sur la présentation des secondaires, bah tiens, Hugo, la parole est à toi, ça dit quoi les secondaires? Alors ça dit que moi j'ai pris deux secondaires orcs dans un premier temps. Donc le premier c'est prenez les morceaux de choix qui consiste à faire une action sur un objectif qui n'est pas dans la zone de déploiement d'aucun des joueurs. Donc en gros c'est un des quatre objectifs qui est sur No Man's Land ici. Sachant que je peux faire action plusieurs fois dans le même tour. Par contre je peux pas faire action sur, plusieurs fois sur le même objectif au cours du même tour. Par exemple je peux mettre des Gretchen sur un objectif ici, la faire et dans le même tour les mettre ici. Je ne peux pas mettre deux unités de Gretchen et faire deux fois l'action, ça n'a pas de sens et on n'a pas le droit. En gros, ça me permet de mettre 3 points de victoire quand l'action est réalisée, pardon, sachant qu'elle est réalisée à la fin de tour avec les Gretchen et sinon elle est réalisée en début de prochaine phase de commandement pour toute autre unité, donc qui est forcément base. L'autre secondaire que j'ai pris, c'est, alors on a noté Beast, j'ai plus le terme en français, mais c'est The Biggest and The Best, il me semble, en anglais. Qui consiste à réaliser certaines conditions avec mon seigneur de guerre, qui est donc Gascul ici présent. En gros, il faut que je tue des unités, faut que je contrôle un objectif qui n'est pas dans ma zone de déploiement, faut que je détruise un monstre, un véhicule ou un personnage, faut que je tue 5 figurines, et je crois que c'est tout. En gros, je mets 2 points à chaque fois pour chacune des conditions, jusqu'à un maximum de 5 par round de bataille. Et le dernier secondaire, c'est les cartes de table, parce que c'est un scénario qui s'y prête plutôt bien. Donc, voilà. Yes! Manu, tes secondaires, ça dit quoi? Alors, mes secondaires, j'ai pris Wrath of Cain. Ok. Là, je te montre mon niveau d'anglais. Et c'était vraiment pas mal. Ouais, c'était vraiment pas mal. J'étais à mon max, hein, j'ai fait le maximum. Donc, ça veut dire qu'avec des unités aspect, lorsque je tue une unité au tir ou au cac, je prends un point. Ouais. Par contre, il ne faut pas que ce soit la même unité qui fasse carte. Ok. Et si je fais les deux dans le même tour, dans ce cas, je prends 4 points. Ok. Après, j'ai pris le Warp Ritual, donc c'est venir à 6 pouces du centre avec un psycheur, un personnage de psycheur et faire une action psy. Yes. Donc voilà, il faut le faire 3 fois dans la partie. Et ensuite, j'ai pris Assassinat. Alors j'ai hésité avec Abattez-le, on en a un petit peu parlé. C'est grosso modo les mêmes figurines qui sont dans les deux secondaires, donc j'ai pris Assassinat. Bon, on teste quoi. Ah, ok. Ça sert à moi, ça. Je sais, mais je les aime bien. Je peux faire une griffe de Wolverine comme ça avec. C'est absolument génial. T'as trop, il n'en faut que 3. C'est vrai, il n'en a que 3 Wolverine. Ouais, ouais, c'est vrai. Yes, ok. On a fait le tour sur les secondaires, les gars. Ça annonce une très belle partie. Le match va être intéressant. Très intéressant à voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Le coucou. Franck, il fait des mouvements. Ça a une signification particulière? Oui, j'appelle ton attention. Oui. Alors, regarde. Je suis là. Toujours début de partie, on lance la prédiction. Prédiction, les gars, prédiction, vous allez pouvoir nous dire selon là vous. Sur Twitch, selon vous, qui va gagner cette partie. Vous allez pouvoir sur le site et l'article où il y a les listes pronostiquer sur le vainqueur du championship. Vous allez pouvoir aussi nous follow si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi éclater des subs si ça vous sauce et ça nous sauce au max si c'est le cas. Vous pouvez aussi profiter des codes promo de tous nos partenaires. Moins 15% sur toute la boutique My Scenery, moins 10% sur toute la boutique My Crank War Game, et vous avez évidemment le code, ce qui n'est pas un code promo, mais vous avez une promotion de moins 20% sur toutes vos figurines chez My Hobby Place, et vous créditez Creative War Game quand vous faites votre petit achat, ça nous sauce un peu, et après on fait des trucs stylés comme ce championship, et ça c'est vraiment... génial. Vous êtes engagé pour très grave. Il y a Steph qui nous dit on comprend pourquoi Hugo joue orc. Mais carrément. Je sais pas si je dois mal le prendre ou bien le prendre. Si, tu pourrais bien le prendre. T'es dans le rôle. Franchement, ouais, t'es. Ouais, tu pourras crier WAG quand tu déclencheras la WAG. Ouais, non, je suis un peu civilisé quand même. Ok. Juste un peu. Les gars,
Allez, je te laisse le choix. Tu veux le dé noir ou tu veux le dé blanc? Ah, vas-y, prends le dé noir. On prend le dé blanc, du coup. Pour l'initiative, c'est qu'un dé pour l'initiative. Je sais. Préparez-vous, ça va être un peu long ce soir. Je vous laisse jeter les dés. Le dé noir, c'est pour l'initiative. Allez. Non, je fais 3. Allez, Manu sort son plus beau 6. Manu qui prend l'initiative. La partie commence. On attend donc le T1 de ce dernier quart de finale du Championship. T'as des aptitudes à jouer en prime avant l'initiative, de ce genre de choses? Ok, très bien. Moi j'en aurai, mais je pense que je vais pas les utiliser. Ok, les points de com, t'es à combien? Je suis à 2. Tu passes à 3. Je suis à 4. Je suis au double. T'as un petit compteur? Tu peux mettre un petit compteur? Moi j'ai les deux. Je suis à 2. Moi je suis au double, je suis à 6. Ah, c'est chaud. Ça, je vais faire mes dés du destin. Allez, tu veux bien nous les faire là? Allez, évidemment. Ah, la meilleure la piste à dés à l'écran, c'était dommage. On peut avoir la piste à dés, Francky? Par contre, tu ne jettes plus tes dés là. C'est illisible à l'écran, regarde. On ne les lit pas. D'accord. Bah, garde-les parce que tu as fait ton jet. Ouais. Et qu'il n'est pas dégueu. J'en serais seul. Hein. Non, c'est pour les dés, c'est pas pour. J'ai rien à voir. Écoute, je vais en relancer. C'est un as. Ça, c'est un as, ouais. Le fuck comme ça, c'est un as. C'est un fuck. Je vais relancer ces deux-là. Un double fuck. Ouais, et ces deux-là. Ah, voilà, c'est ce que je voulais. Donc, je vais garder deux psy. Ok. Une charge et une advance. Ok, donc ces dés-là se transforment en 6 quand tu les claques. Une fois par phase, tu peux les claquer. Non, une fois par séquence. Non, tu n'es pas limité. Sur un tour. Sur un tour. Quand, okay. Quand tu veux. Très bien. Dès que ça correspond. Il est où ton compteur à point de co, Hugo? Il est là. Ok, ça marche. C'est deux trucs distincts ou c'est un bandeau unique? Regarde, tu vois, c'est bien fait. Nous sommes des professionnels. Voilà, ce que je veux savoir, c'est si c'est séparé. Non, c'est séparé. Parce que je veux en fait un compteur là, un compteur sinon, là. Sinon, je vais mettre un petit dé là. En tout cas, j'ai le mien. Bon, je sais pas. En vrai, je vais en mettre un là aussi, histoire de. Voilà, vas-y. Je ferai le double ici. Tiens, j'ai un dé 20. Moi, je passe à 5 du coup. J'ai un dé 20. Tiens. T'as vu, je t'ai présenté déjà la phase 5 pour que tu galères pas à chercher. Ah ouais, c'est ça l'altruisme. Il va en train de prendre pour un abruti fini. Alors on nous demande pourquoi 4D en relance pour les fils du destin. Alors parce que j'ai deux grands prophètes et un grand prophète peut relancer un dé plus un dé par prophète présent sur la table. Donc deux grands prophètes, deux fois deux dés, tout simplement. Petite, les gars, on va recadrer parce que c'est normal, ils n'ont pas l'habitude du live. Quand tu parles. Ça rien, tu parles à Franck. Ouais. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Si, en plus, il m'a filé son lit. Franck, il sait pas du tout de quoi tu parles. N'hésite pas à parler à la caméra, voilà. Au micro, et regarde dans le retour écran quand t'es pas dans le champ, parce que tu n'y étais pas. Ah. Du coup, en fait, voilà, c'était juste tout. Ok. Phase de commandement, t'as les aptitudes, mon bon Manu? Non, j'ai rien. Je veux dire, je suis pas un gros bulle comme certains. Allez. À d'autres, Manu. On est en zénith, Manu, tu peux nous expliquer ce que t'as fait sur la table de jeu, s'il te plaît? J'ai essayé de faire des choses parce que vous m'avez disturbé. C'est mon niveau d'anglais, ça. Alors, je me suis mis sur l'objet, là, pour pouvoir faire ma petite action. Ici, voilà. Oh là, ça va être long, cette soirée. Ici, donc les totos se mettent ici et font l'action. Voilà. Ok. Ici, j'ai fait advance mes banshees pour essayer d'aller faire une petite charge par là-bas, mais ça va pas être simple. Je me suis dépositionné avec les motos ici pour pouvoir tirer sur le truck. Yes. Mon arcante est venu ici pour faire l'action psychique. Ça se tient. Voilà. Comme il s'est bien déployé loin, de toute façon, je pouvais pas sortir mes vengeurs, donc... Ils sont restés embarqués. Je me suis mis par là, en contrôle, j'ai pris deux objets au cas où, et puis... T'as positionné des rangers ici, rangers ici, deux unités. Il y a ici, caché, vous ne les voyez pas, mais il y a un pack de Shining Spear. Et est un autre personnage, je crois, qui est juste là. Lui, c'est qui? C'est un autre farcir? C'est un farcir, ouais. Ok, ça marche. Pas d'interaction en fin de phase de mouvement du côté d'Hugo, donc tu veux pouvoir attaquer ta phase évidemment, de psy. Évidemment, Karandra se s'est rapproché aussi. Ok, phase de psy? Phase de psy. Allez. Vends-nous du rêve. Alors, ici, on a le farcir qui va essayer de récupérer un PC, c'est sur du 6. Eh ben oui, donc je récupère un petit PC. Ça, c'est à moi, ça. Même parce que tu le laisserais sur la table. Donc, je remonte à 4 PC. Il peut également lancer un sort qui s'appelle guide, donc on va d'abord lancer les dés pour savoir à quelle distance. Donc ça passe, mais uniquement à 18 pouces. Moi, c'est ce que je jouais sur TTS. Et à 18 pouces, du coup, je vais avoir personne de bien intéressant. Ouais, je joue jamais sur TTS.
Tu joues quoi? Tu joues jamais sur la TTS. Je joue toujours sur TTS. on va faire l'action psychique, donc je vais utiliser un 6 action sur tout. Au centre de table, yes. Le farcir, tu utilises ton 6. 6 et 5, ça fait 11. Ça fait 11, allez vas-y, vends-moi un dispel. Les killeriks qui vont essayer de dispel, je suppose. Bah, de toute façon, j'ai que ça, donc... Très bien. Je vais faire 12. Non, tu fais 4. Presque. Donc lui, il a fait 100 d'action psychique. Bien joué, tu mets 3 points. Yes. Allez, trop facile, ce jeu. Les deux arcantes qui sont ici ouais. vont essayer de le rapatrier, donc je vais utiliser encore un 6. Yes. 6 c'est 1. Non, non, on relance quand c'est en dans deux trucs. Allez. 6 c'est 4, 10, ça c'est passe. Même règle pour tout le monde. Tac, ça revient ici. Ok. C'est comment s'appelle le sort du double move ? Célérité. Célérité. Ok. Et à la fin de ce sort, je ne peux ni tirer, ni bouger. Ni charger. Ni charger, ni rien. Ok. Et le farcir qui est à moto ici. Il va tenter de lancer un Doom. Non, ça passera pas. Ok. Et voilà. Fin donc, de qui terminé. J'ai pas trop joué contre les nerfs, mais là déjà je comprends un truc, c'est qu'en fait toute la partie tu vas faire un jump, je fais mon action psy, j'en reviens. Mmh. Voilà, ça va faire ça toute la partie. Ah, oui. C'est génial. Faire les ça m'a étonné qu'il fasse pas avec un interro mental parce qu'il pourrait mettre 15 points et pas de en fait. Dans interro psy tu fais ça normalement. Et en plus tu récupères des places. Ah mais c'est Manu. Alors, je t'expliquerai après pourquoi. Il t'expliquera pourquoi. Phase de tir. Allez, phase de tir. C'est parti, phase de tir. Et je crois que j'ai compris. Si t'as compris, tout va bien. C'est pas vrai, hein. Manu, quand t'as dit que t'expliquerais, en fait, il a absolument pas raison. Si, si. Moi, je pense que t'as allez. Totalement raison, il aurait dû prendre l'interro, mais... Les motos sur le truck. On passe en zénithal, Francky, s'il te plaît. Les motos sur le truck, oui. En fait, 12 points. Le warp rituel. Donc les motos qui sont là-bas... Si tu réussis tout... Tu fais 15 points, donc il n'y a que 3 si points. Tu veux pas un petit cercle. Sauf que le warp ritual, c'est que 3 fois dans une partie. Ah, là, donc tu peux avoir un accident, etc. C'est pas bien grave. Et ça va tirer et sur le truc qui est là. Ça permet pendant 2 tours d'utiliser le sort de l'arconte. Ouais, ça se tient aussi. Ça se tient aussi. Alors, 3 motos, 3 tirs de canon, shuriken par moto. Donc sur le truc, sachant que alors, le truc a un petit pied, j'ai mis une toute petite chenille allez, sur la machin, un truc. Le vent. Ouais, 1 moins 1 à 4. La ventilation, il n'y a pas de 6. Non. Et force 6. Sur du 4. Et il y en a 2 à faire moins 3. Ça fait 2 PV parce que le truc réduit les dégâts de 1. Il est brun que. Ballon. Voilà, brun que machin. Brun ballon. Exactement. Ouais. Et tant qu'il n'a pas force 8 ou plus, je veux réduire les dégâts de 1. Donc je perds 2 PV. Est-ce qu'il y a un petit truc marqueur de PV quelque part? Et les motos vont bouger. Prends les petits rouges là. T'es toujours au milieu toi. Mais j'essaie de vous discipliner parce que c'est dégueulasse sinon. Je mets les PV perdus. Comme tu le sens, ça c'est toi qui, comme t'as l'habitude, c'est juste calme-toi avec Manu pour pas qu'il y ait de mésentente. Tac. Manu, écoute, je vais mettre les... Si tu fais ce que tu veux. D'accord. Tu me le diras, t'inquiète. Écoute, je suis habitué à mettre les PV perdus, donc je vais mettre les PV pas perdus. Pas de souci. Non, forcément, ce qu'il y a de plus smart, mais bon. Tu as perdu 2 du coup. Yes. Carandras, si tu as 18 ou ouais, 12. J'ai un doute. Ton codex, on l'a filé à Kuro. Ouais. Tu peux regarder Carandras, ça va sa portée de tir. Si c'est 12 ou 18, s'il te plaît. 16. Ah, attends, non, je vais faire tirer le serpent sur le gascule. Ah. Lequel le serpent celui qui a. Le premier, celui qui a porté. Il n'y a que lui qui a porté. L'autre n'y est pas. La portée de tir ouais, c'est en 12. 12, ok. Alors c'est quoi? C'est canon en blanc et les autres en... Non, c'est tout en canon. Il n'y a que du canon. Et pourquoi t'as mis de dénoir? C'était okay. Dans la marque. Oh, non, c'est... Très bien. Okay. Ok, ça marche. Ça marche. Toujours pas de 6. Yes. J'ai rendu 7 avec la suite. Sur du 5. Il y en a 4. C'est propre. C'est genre 2 plus qui passe à 3 plus vu que t'es à moins 1. Yes. Je vais les faire 2 par 2. T'as plus d'autres tirs sur le gascule que tu peux me faire. Si, je pense que l'autre serpent il voit. Ça dépend si j'applique la règle triche ou pas. D'accord. L'autre serpent il voit. Non. Il voit mais il est trop loin. Ouais, après, c'est okay, je vais faire une par une pour éventuellement faire une roll. C'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, j'ai un reroll qui prend que le PV. Donc je vais penser à un PC. Je serai donc à 4. Pour l'instant, t'as perdu 1 PV sur gaz. Non, c'est 2 PV, c'est du canon. C'est du canon, hein. Ouais. Bon, tu perds tes 4 PV de la fin. Tu perds mes 4 PV, voilà. Ah, c'est réglé, c'était hyper utile comme reroll. Tout en canon, c'est vaisseau monde égyptien. PC. Rondement investi. La phase de tir qui est très limitée va s'arrêter là. Ouais.
Karandras, il apparaît rien avec son arme à 12 pouces. Ouais, 12 pouces, il voit rien de toute façon, donc on va pas s'emmerder avec ça. Ok. Tac, tac, ouais, y a rien d'autre. Allez, phase de charge. On peut enlever les flèches, Francky. Il va se passer, on passe direct à la phase de charge, c'est bien, ça va vite. Ça me plaît, Manu, quand tu joues vite comme ça. Les Banshees. Yes. Bon, charger ici. Tu as une charge à combien? C'est un truck, c'est ça? Alors, je vais te dire ça. Non, c'est pas le truck, c'est les mecs qui volent là. Storm Boys. Alors, ils auront une charge à 10. Ok. C'est validé par la street. Alors, attention. 10. Alors, attends. 6 auto. Attends 2 secondes. Yes. Attends. C'est bon, on est dessus. C'est bon. Ok, donc là, on a les Banshees qui sont ici, là, sur le flanc de la map, qui vont faire leur charge. Charge à 10, on a dit. Yes. Alors, j'ai utilisé un dé pour faire un 6 auto. Un 6 auto, donc il te faut un. Une point 4. J'ai un 5. Eh bah, écoute. Parfait. Hein? Ok, mais c'est pas grave, c'était pour bien montrer. On a freeze. Ah, diantre. C'est pas beau. Tiens. Tac, ici, et Karandras qui va charger les squigs, les... Comment ça s'appelle? Les squigog. Allez, il charge à 6, est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit. 6 saucisses. Bon. D'après mon œil de lynx, ça suffit. 6 saucisses. Allez, 6 saucisses. Tac. Eh bien, je vais commencer par Karandras, puisque... Tiens, yes. Je vais charger. T'as 6 PV avec Karandras, c'est ça? Oui. Alors, sachant que je suis en train de dépenser un PC et que ça me sert pas, mais je peux potentiellement te mettre 3 PV. Sur un coup de chance. Les bonnes chiens, elle cale la face là, ça. Ouais, c'est ça. Je vais lui dire, puis j'ai été interrompu. C'est pas très gentil. Je suis désolé. T'as pas de non, c'est pas toi qui m'as interrompu. Ah. C'est le jeune, là-bas. C'est le jeune. Ouais. T'as pas de Fino Pain avec lui? Non. Ouais, j'ai pensé à un PC, je vais utiliser ma Squeak Bomb pour. Comment dire que. Enfin, je vais faire un Overwatch, donc j'utilise un PC. Ouais. Et en gros, sur un 3 plus. Tu peux pas faire un Overwatch, tu me voyais pas. Si, il est dans le décor. Non, je suis pas dans le décor, mais c'est la petite bombe. Et en fait, la bombe, justement, c'est ce que j'agrée, c'est Wording. Quand tu fais ça, tu sélectionnes une unité qui est dans un rayon de 12 pouces. Oui. De l'unité. D'accord. Et sur un 3 plus, sur un 3 plus, tu te prends des 3 BM. Donc je vais lancer mon D3. Yes. Voilà. Encore rendement investi. Voilà. Rendement investi. Dis donc. Bien. Félicitations. ça va être très très long. Alors, Karandras, il va utiliser son petit profil, donc il va faire 12 attaques. Sur un. On est sur un Karandras de combat. Combien il coûte? 160 points, Karandras? Je crois qu'il est monté à 150. Karandras Gag. Un Karandras aussi, ouais. Karandras 6, Gag. 10. Karandras Gag. Et 2. Allez. Ok, ça touche à 2. Il touche à 2. Pas de reroll. Il y a combien d'attaques là? 12. 12? Ah, mais dégâts. Oui. Oui. Ah, ça va. Oh, c'est cool. Ah. Oui, c'est cool. Alors, ça touche pas. Ça touche pas. Ok. Les 6 font des touches supplémentaires. Ah ouais, ça proc en plus? Ouais. Mais qui peuvent pas faire de mortel. Ok. Attends, mais du coup, peut-être à part les 6. Ah ouais, vas-y. Ouais. Ça c'est ce qui ne fera pas de mortel. Ok, d'accord. Donc, attends. J'ai endurance 6. T'en as rajouté 3 là-dedans. Qui ne peut pas faire de mortel non plus. J'avais 2 as. Donc, je tombais à 10 touches. Oui. 10 plus 3. Donc là, normalement, je dois en avoir 10. Ouais, donc, c'est ça, c'est bon. Ouais, c'était bon. C'était bon. Donc, ça, c'est sans mortel. Oui. C'est de la force 6. J'ai du 6. J'ai rendu 6, vraiment, j'ai rendu 6. Ouais, c'est rendu 6. Force 6, rendu 6 sur du 4. Mmh. Allez. Alors, tiens, t'en as 2. PA moins 2, je crois. Ouais, fais le reste, de toute façon, vas-y. Et là, ça peut faire de la mortelle sur du 6, c'est ça? Et là, par contre, sur du 6, ça fait des mortelles. Est-ce que tu vas nous faire une plus de 6? J'espère. Non. Regarde, bah si. Oh le bâtard. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Hein. Oh, si je commence à déchatter, ça va pas le faire. Hein. Donc, tu lui mets 4 mortelles? Donc, non. Ça fait. 2, 4, 6, 8, 10, 10 saves, PA-2, mm-hmm. dégâts 1, et 8 mortels. Ah, c'est 2 mortels par 6? Eh oui. C'est 2 BM? Eh oui. Ah ouais. Ok. Annoncez, vérifiez, parce que Manu, il joue un codex. Non, il joue un codex certain. Il joue un codex Moldave. Sûr et certain. Ok, donc... Vous avez un lieu à 6, ça sera suffisant. Voilà, donc de toute façon, c'est suffisant.
Ils sont tous morts? Bon, ils sont tous morts. Alors, bien fait. Attends, stop. Parce que juste dans ta séquence de dés, les 4 dés qui faisaient 6, qui faisaient 2 mortels, c'est à la place ou non, c'est en plus? Non, c'est en plus. Non, c'est en plus. Ok, ah ouais, c'est en ça. En addition de tous les dégâts. De toute façon, là, il me fait. il masse trop poutre. Oh, c'est sale. Ah, c'est sale, c'est Garandros. Oh, et je t'entendais râler parce que je jouais Nécron là-bas, là, dans le coin. Il est avec cheaté. Le mec, il t'envoie un mec en missile, tu peux rien faire. Il est là, il est tout seul maintenant. Ah, mais attends, le trade, il est hyper rentable. Bon, on va faire les Banshees maintenant. Ça vaut 100 points, les squeaks. Hein. Il a pris 100 points, là. Ah ouais, c'est pas si rentable. Donc, tu vois, c'est pas si rentable. Ouais. Mais par contre, ça me fait un point de secondaire. En tout cas, il est sale. Tu l'as mal utilisé, mais il est vraiment fort. Allez, les Banshees. On va et faire. C'était combien de squeaks? T'en avais combien? 4, c'est 25. Ah oui, c'est 25. Squeak, ah ok, ah, oui, je crois que c'est une plus grosse escouade. Bah, ça fait chier quand même. Oui, ça fait quand même chier. Non, mais tout ce qui me permet de ralentir, ça m'aide. Alors, en blanc, on va avoir les Banshees. Et on va avoir l'exarque Banshee en noir. Ça fait 5. Donc l'exarque Banshee 10 attaques. Et les 4 Banshee, 3, 12. Donc en noir l'exarque. Ok, 3 plus, 4 plus. Donc, t'as pas de reroll avec elle non plus. Non, non, non. Non, non, moi, j'ai pas un codex cheaté moi. Arrête. Manu. Donc force 4 et plus 1 pour blesser. Plus 1 du 5, donc un blessé à 4 plus. Allez. C'est moins malin, hein, contre les boys. Ah bah, oui. C'est la vie, hein. Oh là là, quel jet de merde. Voilà. On y est. Sur du combien? 4? C'est 2 4. 4 plus, ouais. Aïe. Les 6 font rien. Voilà, ça c'est dégâts 2. Ça c'est dégâts 2. T'as pas de save, de toute façon. PA moins 3, PA moins 4. J'ai pas de save. Je vais faire mourir un mec normal. Je vais faire mourir un deuxième mec normal. Un troisième mec. Et il met un PV sur le nob. Un PV sur le nob. Allez. 3 morts, un PV sur le nob. Le corps à corps qui est là-bas, que vous voyez pas. Si Kuro, tu veux bien spot la mobile, juste vite fait. Tu vois où ça se passe. C'était pas terrible, hein. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais, si vous avez RF. Juste montre le... Ouais, c'est... Attends, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bouge, c'est qui? Doui. Malcolm? Malcolm, exactement. Ok. Je suis jeune, mais pas si jeune que ça. Hein. Tu peux riposter, mais t'es pas obligé. Ah oui, c'est du coup j'allais le poster. D'accord. Donc voilà. Juste ici, on a les Banshees. Ok, on t'entend pas, excuse-moi Kuro, mais comme les micros sont dans cette direction. Là, vous avez donc les Banshees qui viennent de taper. Elles ont enlevé combien? 3? 3 gars et un PV sur le nom. Ouais, c'est ça. Ok, donc du coup, la riposte dans la foulée avec les Shock Boys qui vont se farcir des Banshees. C'est ça, donc là, en fait, il y a... Qui vont essayer, qui vont essayer. Donc je peux pas trop faire le film pour me rapprocher. Donc en fait, juste essayer de venir coller ici. En gros, dans l'idée, c'est de décoller, mais bon, j'ai pas envie de. En fait, les armes vont s'envoler dans tous les sens. Voilà, exactement. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait mon rapprochage là-bas non plus. Est-ce que je suis à portée de ton bordel, là, Kilrig? Je sais pas si c'est une idée de ouf de contacter Kilrig. Je sais pas si c'est une idée de ouf, mais tu peux y aller si tu veux. Hein. Ouais, tu peux y aller. Vraiment, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Je vais sur vos bons conseils, je vais pas y aller. C'est un tabac, ça, Kilrig. Ouais. Je sais que tu connais pas les stats, du coup. Allez, tu Tu peux riposter. Combien d'attaques? J'ai préparé les dés parce que je suis fier. Merci. Alors, moins 1 pour toucher, c'est natif sur le danger. Donc, 2 attaques par boys. Ils ont des kick-coups, ça fait 3 attaques par tête. J'en ai 7, 7 x 3, 45. ça fait 4 attaques par mec. L'éducation nationale, toi. Ça fait 4 attaques par mec. Attends, bouge pas. 4 attaques par mec. Attends, j'aurais 3 attaques. 21 attaques. J'ai 21 attaques. Vas-y. Lui, encore 2 dés. 4, 8, 12, 16, 20, 21. Je touche à moins 20, donc je touche à 4+, les 6 ça explose. J'ai force 5 après. Les 6 explosent parce que t'es goff. C'est goff. Exactement. Par-dessus. Il survole le. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, 6, ça fait 3 touches de plus. J'ai blessé donc pas 3+. J'ai plus de force. Les Shock Boys qui blessent à 3+ sur les Banshees. Oh là là. Ah c'est propre. Tiens, tes Banshees vont se faire salver. Regarde, j'en ai peur. Hein. Dégâts 3. Dégâts 3 non. Allez, déjà, il y en a 5. On va voir ce que ça donne déjà. À PA combien? PA moins 1. Donc c'est ton enlevé à 5. Ouais, sur du 5, bon, il y a 4 qui meurent, donc il me reste l'exarque. Avec ses 3 PV. Ça va être chaud quand même. L'exarque, elle a 2 PV. Il y a 3 PV. Ah, parce qu'elle a une amélioration. Elle est super exarque. Elle est morte? Yes. Bon, c'était pas concluant. Pour moi, si. Tu pensais en laver plus, peut-être? Ouais, j'aurais aimé en tuer plus. Bah, ouais, je pense qu'il en tuer 2-3 plus, quand même, je pense. J'aurais aimé, mais bon, après, on fait ce qu'on peut. Parce qu'on et a... bah, one shot le pack de Squig aussi, c'était vraiment drôle, mais bon.
Après, il va mourir. Andras va mourir, quoi. Ouais, mais il peut re-grip up ce con pour un PC. Sauf qu'il ne repopera pas sur l'objectif, donc ça me doit. Sur 4 plus ? Sur 4 plus, oui. Ouais, sur 4 plus. Ouais, c'est... Ouais, pour moi, il repop en fait. Quand on sait ça comme ça, quand c'est l'adversaire qui est fait, pour moi ça marche. Comme ça, t'es sûr de ne pas être surpris. Ouais. Eh bien, écoute, j'en ai terminé. J'ai un test de morale avec mes boys, j'en ai perdu 3. Il me reste mon nob. Ce qui fait que j'ai commandement 7. J'en ai perdu 3. Donc sur un 5 plus, je fuis. Bon, bah je fuis. J'en perds donc 1. Donc il m'en reste 6. Et sur du 1, j'en perds de plus, j'en perds 1 de plus, j'en perds donc 5. Yes. Enfin, non, il me reste 5, pardon. T'en perds 2. T'as un paire de morale. On remet la piste à D, elle est complètement à l'ouest. Ok. 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 Scoring. De fin de tour pour Manu. Scoring. Attends, non, c'est pas comme ça qu'on fait, Manu. C'est moi qui vais le faire, comme ça je le dis en même temps. Ça, les gens ils suivent. Non. Mettez-vous là-bas, Manu. Manu, tu mets 2 points de primaire bis. T'as fait l'action, tu tiens 2 objectifs, on est d'accord ? Yes. Kane, 1 point parce que t'as tué une unité de Squeak Buggy là. Avec un aspect. Ritual du Warp, tu vois, ça c'était pas bon déjà. Mm-hmm. Parce qu'il fallait faire 3 barres. Parce que si je dis pas de bêtises, ton rituel du Warp il t'abonne 3 points. Non, mais sans regarder à la fin d'après. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Fais comme tu veux. Fais assassinat. Tu veux. T'as le droit de faire toutes les conneries que tu veux. Très bien. Tu es chez toi. Par contre, on a les retours par rapport à cette histoire de dé de miracle, là, de destin. Ouais. Globalement, l'ensemble des gens tend à dire que dans ces 2D, la lecture de la règle serait plutôt for each. Donc on l'a joué comme ça sur le premier. Pour la suite. La plupart des gens ont tort. C'est vrai. Parce qu'en gros, c'est comme ça. Mais je suis d'accord que c'est débile. Hein. Moi, j'aurais tendance à le jouer comme tu as dit, comme ils disent. Mais c'est ce qu'on va faire. Mais le problème, c'est qu'en raw, malheureusement, ça passe. Et ben nous, on va le jouer. Oh, on va pas jouer avec une béquille. Gray. J'ai déjà 50 ans, j'ai pas joué avec une béquille. Donc on jouera avec. Tu ne feras que des relances. Ouais, je ferai que des relances, si vous voulez. Tu vas bien le vivre. Tu m'as pas dit combien. Excuse-moi. Et Manu nous met donc 2 et 1 et 3. Ça fait 6 points pour Manu sur cette fin de T1. Ouais, et on attaque la phase de co, vous regardez chacun un point de com, les amis. Yes. Face à 4. Dans mes points de co qui m'ont servi à strictement rien. Pour l'instant. Mais ils sont là quand même. Pour l'instant, quand même. On va apprendre à les utiliser mieux que ça déjà. Mais il est chiant lui, à la fin. Face de co, t'as des choses à faire ? Je lance ma WAG, donc je lance. Ok, les orcs lancent la WAG, les amis. Et comme c'est une petite tub, Hugo, il nous a même pas fait une WAG, une vraie WAG de bonhomme, tu vois. Ah, attendez, ah, non, je sais comment on va faire. Regardez, écoutez bien, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. J'ai une application pour lancer des WAG. Alors, voilà, écoutez, on met le son à fond. Le micro est là-bas. Alors, globalement, ce qu'il a fait, il a débarqué ici, donc il a claqué la WAG. Hein. Il a débarqué ici, il a fait une belle advance à 5, il est donc à une charge à 6 sur les Shining. Ensuite, ici, on a le Dread qui a avancé, le Rhino qui a avancé. Il y a un petit peu de grottes qui se sont désaxées, mais vous ne les voyez pas, ils sont là, derrière cette ruine. Vous ne les voyez pas, on vous les montrera tout à l'heure, Zenital, mais la manœuvre est pas impressionnante de génie tactique, donc on va pas s'attarder dessus. Ici, on a les 10 Zalpagers qui ont débarqué du gros Kildrick qui sont là. Et puis il a fait son action avec Makari, il a avancé ça pour saigner Karandras qui est juste caché juste derrière. Et puis la place est à ta face psychique. Tout à fait. Je vais lancer un smite avec elle donc, sur Karandras. Smite de ce kill rig ici. Fais un smite à 8. Est-ce que tu veux tenter juste un poster ? Non, il a pas de smite. J'ai rien apporté. Je te mets des 3 BM, je te mets une BM. Une BM dans Karandras, tiens, je vais lui mettre ses BM. Je m'arrête à niveau spell. Niveau spell à L, je vais faire un autre smite avec l'autre qui rigue exactement dans le même asticot. C'est un smite à 6, donc il passe. Il passe. C'est l'argent mieux, ça. Non, c'est relou. C'est pour le visuel sur le Zenithal. Je comprends qu'en termes de jeu, c'est vachement mieux. Je sais même pas où sont tes sorciers. Il y en a un là. J'en ai un là. Je sais même pas s'il a 24 pouces. C'est qui ? À 24. Non, j'y suis pas. Allez, vas-y, D3 BM. 3, t'as perdu tes 3 PV de la phase de psy, yes. On est d'accord ? Yes. Il reste 3 PV à Karandras. Je suis un mec chaud. Donc là, en fait, le but, c'est de ne pas mettre les coups de flammeur pour le tuer, parce que j'ai envie de le tuer avec Gascule. Ok. Toi, tu... Parce que le tuer avec Gascule, tu rapportes des points de secondaire. Ça me rapporterait 4 points de secondaire, effectivement. C'est propre. Même s'il repop, d'ailleurs, ça me fait gagner quand même mes 4 points. Oui. Donc j'ai fait action avec Makari, c'est cool. Phase de tir, donc lui a pris 3 PF, ça ne me sert à rien. Là, j'ai peut-être.
une petite ligne de vue qui se dégage. Non, ça m'étonnerait. Non, j'ai pas de ligne de vue qui se dégage. Elle non plus. Donc, c'est tout ce qui va se passer niveau phase de tir. Phase de charge. Dans un premier temps, qu'est-ce que lui qui va charger le Karandra? T'as pas d'arme de tir? Si. Donc, je vais charger avec le truc alors. Tu crois qu'il va t'overwatch avec Karandra? On sait jamais. Comme ça. Non, Ah, et le truc qui charge. Voilà. Bah, il ne charge pas. Bah, si, charge à 1 à 2. Ah ouais? Oui, oui. Voilà. Ouais, d'accord. Gascule. Voilà. Sans, tu peux reroll même avec le truc. Je peux reroll. Oui. Charge à 6 des boys sur les. Attends, tu vas trop vite là pour le coup. Du coup, faut que les gens puissent suivre ce que tu fais. Charge des boys qui sont ici, c'était une charge à 6 sur les Shining Spear. Il n'y a pas de possibilité d'Overwatch, il n'y a pas de ligne de vue. C'est parti sur la charge à 6, reroll. Ça fait 5, ça claque la reroll. Ça fait 10, c'est validé, ça s'envole. Tu feras les moves après, fais le reste des charges, parce que de toute façon, là, ça changera rien, je pense. Les charges des... Là, donc j'étais à, 9. À moins de 20, donc on charge à 9, je vais charger... Sure. T'as rien pour remettre moins 2, hein, avec eux. Merci, je vais tenter la charge à 9, parce que... Ne passe pas par là. Ouais, ça n'est pas moins 2, c'est une veine. Ah oui, c'est vrai. Je vais tenter la charge à 9, parce que ça pourrait potentiellement me permettre de lui retirer 4 points de primaire. Allez, charge à 9 ici, sur les... Rangers. Les rolls. Ils sont dans la pampa. Ils vont pas kiffer. Généralement, les ordres de la pampa se passent pas super bien. Ils vont pas trop kiffer. Là, j'ai une charge à je sais pas combien. Ouais. Il va mesurer, vas-y, jette télé. Hein. On gagne du temps. Oui, il fait 11. Ça passe pas. 11, c'est pas bon. Ok, donc charge validée. Ici, Karandras, il va prendre Chichi. Là-bas, il faut que tu te mettes en place, Hugo. Et oui, là-bas aussi. Et après, t'as d'autres charges encore? Bim, bam, boum, non. Ok. Donc là, j'avais fait une charge à 10. T'as pas d'intervention érotique à faire, en tous les cas. Non. Très bien. Donc, il va faire l'objectif. Ça, en premier. Et c'est après ça. Il y a une raison pour laquelle t'as pas mis ton rhino sur l'objectif? Tu l'as, l'objectif, ou pas, du coup? Non, tu l'as pas. Mais non. Il y a une raison pour laquelle t'as pas mis rhino sur l'objectif? Il est pas dessus. Voilà. Ah bon, bah ouais. Tant pis pour moi, mais avec lui de prof. Okay. Il est très très loin. Ouais. je suis d'accord. Non, c'est pas grave, j'aurai l'objectif, t'inquiète, j'aurai, j'espère. Tiens, décor My Scénarii, moins 15% sur tout le site. Trop fort. Un professionnel. Un professionnel, le mec a fait ça toute sa life. J'ai essayé juste de garder un. Pourquoi tu l'aides à bouger ses figures? Pour que ça aille plus vite. Hein? Moi, tu m'aides pas. Est-ce que je vais peut-être potentiellement garder cet objectif-là? Non, en fait, je m'en fous. Tant pis, l'objectif secondaire. C'est ça qui joue Orc, c'est ça qu'on veut. Parce qu'en tous les cas, je sais que j'aurai jamais cet objectif au prochain tour, donc je m'en fous. Je veux caper et mettre du monde. Tu veux tarter? Je veux tarter, donc j'avais fait une charge à 11 avec les Storm Boys. Est-ce que tu vois, toi, tu peux les mettre le plus proche possible vers... Tu veux garder la ruine? Ouais, si possible, le plus possible dans la ruine. Vu qu'il s'est collé comme un fruit, tu vas pouvoir grave faire ça. Je vais activer dans un premier temps Gascu, parce que t'as combien de PC toi d'ailleurs? J'en ai 5 je crois de mémoire. Donc tu peux m'interrompre, donc je vais activer Gascu qui va dans un premier temps taper. Yes. Sur Karandras. Non, donc il y en a qui doivent sortir. Donc il y a 6 attaques, tu mets pas moins 1 hit. Non. C'est sûr. Bah oui. Certains. Bah oui. Donc. Karandras, qui se fait taper par gaz? Qui se fait tartiner Lyon par gaz. Est-ce que tu as des 6 de sauvegarde? T'en as 3, je crois. Non, t'as que des 1. Plus rien. Ok, donc. Ça touche à 2. Je peux reroll le 1. On sait jamais si je fais un 6, c'est rigolo. Non, ça fait pas de 6. Touche. Ok. Et je baisse à 2 plus. Parce que c'est gascule. Ça reroll quand ça sort. Okay, décidément. Ouais. Oh. C'est bien. A vu à 5. A vu à 4? Non, à vu à 4. A vu à 4, c'est fort. Et dégâts combien? Dégâts 4. Ah bah donc il faut pas que j'en loupe plus. Voilà, c'est vraiment un mode sans échec. Hop, voilà. T'as fait plus d'une attaque de la WAC? De quoi? Oui, oui, il a... Oui, j'ai compté, j'ai anticipé. Non, non, il a compté. Karandras se fait astro-poutrer le steak. Pour l'instant, je le laisse là. Ah oui, parce que tu peux utiliser ton point de com. Yes. Ok. C'est pas que je peux, c'est que je vais. Oui. Est-ce que tu veux m'interrompre? Est-ce que je vais t'interrompre? Eh bien écoute, évidemment que je vais t'interrompre. J'ai une invue à 5 et j'ai endurance 5, ça peut. D'accord. T'interromps sur quelle clause? Shining. Ok, les Shining pour 2 PC juste ici vont interrompre et passer, prendre la main sur le corps à corps. C'est donc Manolo qui va taper. Tu peux me passer mon codex s'il te plaît? Juste vérifier un tout petit truc. Arrête de faire Karandras, c'est la fin de la phase. Yes, la fin de la phase. Tac. Du coup, n'hésite pas à t'adresser à tes fans. Oui. Ok.
Hugo l'oublie. Non, j'ai pas oublié. En fait, Gascu a 5 attaques de base, sauf que j'ai pas payé son trait de sire de guerre. Ce qui fait qu'il n'a que 5 attaques et. Enfin, 6 en wag et pas 7. Et voilà. Question pour Hugo. J'ai des potes qui me disent que des camionneurs ne peuvent plus charger après avoir débarqué. C'est d'après une facture à réponse. Oui, en fait, j'avais posé la question justement sur le groupe Discord de la FEC. Et en fait, ça n'a pas changé. Mais en gros, c'était pour une histoire. Alors, je saurais plus te dire exactement, Ishari. Je crois que c'est pour des objectifs ou des trucs comme ça. Je pense en gros, comment dire, tu peux quand même bouger et faire tes mouvements et tes débarquements. Tu es sûr? Moi, je voudrais qu'un orbite de la FEC. J'ai quand même. J'ai posé la question avant. Allez, je veux savoir maintenant. Envoie tes attaques. Allez, vas-y, envoie tes attaques. Alors, c'est sur du 3. Yes. En noir, c'est l'exarque, pardon. Ouais. Et lui, non. C'est pas vrai. Ils sont dégueux, tes. Allez, c'est comme ça. Tu t'achèteras des points de karma, et puis voilà. C'est force pas 5. C'est sur du 5, c'est ça? Ouais. Ah ben voilà. C'était encore un plaisir. bien investi. Je suis assez content de moi. Ah, c'était beau ça. C'était beau. Du coup, je peux dérouler comme je veux. T'as okay. Un bonus à la force quand tu charges avec Willis. C'est ça. Je vais activer les Storm Boys. Ouais. Alors, ils sont tous cachés. Ils sont... Non, parce qu'en fait, comme le mur fait plus d'un demi-pouce, tu pouvais pas te mettre à 5 derrière. Donc, il y en a 2. Si tu veux les faire taper, ils sont obligés de venir se caler là. Ils vont venir se caler là comme ça après. Quand je vais me rapprocher, je pourrais me rapprocher en glissant à l'intérieur de la ruine en me rapprochant d'ici. Ça va être de... Ce serait ça l'idée. Alors tu peux pas, parce que si tu veux les mettre en contact eux à un pouce, tu dois être ici. Tu dois être ici et ici. Et après, si je veux faire ma conso 3 pouces en allant à l'intérieur. Je pense que ça marchera pas. Très honnêtement. Okay. Je vais être tout à fait d'accord avec toi. 3 pouces. Non mais même, ça veut dire que si lui veut rentrer dans la... Non, tu peux pas. Je sais pas le faire. Ça marche. Tu peux le... T'auras un mec qui sera dehors. Il y aura un gars qui sera dehors. C'est pas grave. Il y en a combien? La manœuvre était judicieuse, ceci. Donc. Il y en a 5. Il y en a 5. Tu as 5 Storm Boys. 5 x 4, 20. Tiens, ça se passe ici, Francky. Donc, allez, le corps à corps. Les Storm Boys qui tapent sur 3 petites Wind Rider. 3. 4. Oui. Ce décrochage. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. Tu mets un malus ou pas? Non. Touche à 3 et 6, ils explosent. C'est moi la question. Je sais, mais c'est pas grave. Pour ça, évite. Là, franchement, je dynamise. J'ai donc 3, 6 de plus. Yes. J'ai force. Merde. J'ai force 5 en gore. J'ai force 6 en wag. Donc, à son extra, c'est du 3 et pas du 2. Allez, wag. Merde. Wow. Il nous a fait une wag. C'était pas hyper charismatique, mais il y avait quelque chose. On était sur un début de wag. Ça te fait ça à PA-1, donc ça va être de soldats à 4 plus. C'est à 4 pour Manu sur ses Wind Rider. Il y a 6 PV de Wind Rider. Allez, crève! 1, 2 et 3. Ok, voilà, les Wind Rider. Ils sont ici. C'est quoi ces jets de dés là? Hein? Merde, Franck, arrête un peu avec tes dés là. Vas-y, enchaîne sur les cookies là. On enchaîne ici, Franck, on repasse là. C'est à 3, donc je vais faire 40 attaques. 1, 2. Les alpagueurs, non, c'est pas des alpagueurs, c'est des classiques. C'est des boys, ça 2, 3. C'est des figurines d'alpagueurs, on est d'accord. Ah non, c'est des boys classiques, ça. C'est nouveau. Ah, c'est les nouveaux boys, ok. 2, 3, 4, 5. Que 40 attaches. Je fais deux fois ça. Ils ont je me perds les gauches, je te fais ton piline du coup. Ouais, je t'en remercie. J'ai plus de mots clé goff, donc j'ai pas essayé d'exploser, mais j'ai quand même une force de 5 qui sera suffisant. Voilà. Ça se touche pas. Ok, je fais déjà mes jets de bless, comme ça après je fais les deux jets de jet. Je vais baisser à 3+. Il faut monter plus en main, là. Tu en plus. Non, en fait, c'est parce que j'ai remis dans la main. Donc, ça te fait dans un premier temps 3, 6, 9 sauvegardes. Attends, je fais ça combien fois, parce que j'ai encore. J'ai ça deux fois. À moins 1. Donc, 9. On retient 9. C'est compliqué. Je sais pas si on est équipé pour. Hein. On va tenir 9 comme ça, froid, sans préchauffage, voilà. Sans entraînement. On sait même pas ce qu'il y a plus. Ouais. Il fait des trucs. Il touche mes blesses. 9, 10, 12, 14, 16 sauvegardes. Donc là, je t'en 20, je t'en retire 4. Ouais. APA moins 1. Tu en rajoutes 2, tu divises par 3. Exactement. Allez, vas-y. Donc tout ça, c'est. Par 15. Ça y est, APA moins 1, c'est 4. Oh là là. Bah écoute, on va déjà faire les. Je vais faire 4. Ok. Donc il y en a un qui meurt. Ok. Je vais en refaire 2. Ok, il y en a un deuxième qui meurt. Bon, bah voilà. Ah, puis Ah, bah tiens, non. Il a 4 PV, lui. Ah, tiens, regarde.
Il est en phase de partie? Oui, ouais. Oui, il est en phase de partie. Il n'y a plus de PV du coup. Oh merde, il n'y a plus de PV alors. J'étais surpris, attends, je m'y attendais pas moi. Tu veux piler nous mon petit go, viens je te fais les moves, tu veux aller vers où? T'as pas trop le choix. Non parce que j'ai un strata. Ah ouais, tu peux double close? Non, je peux double pin. Sauf qu'il y a quoi? Il y a une figurine super OP. Deux figurines. Donc en gros, je peux faire 6 pouces et venir ici et lui contester, ce qui ferait qu'il mettrait le 4. Donc je vais utiliser un PC. Il a 3 figurines sur l'objectif là. Non, la Showman, il est embarqué. Il est embarqué. Non, ah oui, pardon, oui, t'as raison. C'est parce que lui. C'est moi. Là, c'est toi. Je prends ma charge. C'est ma faute. Effectivement, c'est à ma faute, je ne peux rien dire. Tu peux me trouver les 3, s'il te plaît? Vas-y. C'est un raté, un brave. Oui, ouais, je vais essayer. Oui, mon fils. Bon, il faut que tu serves quelque chose. Hugo, je vais t'appeler. Oui, mon fils. Tiens. Donc là, effectivement. Oui. Donc celui, il va se rapprocher ici, comme ceci. Tac, 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 parce que je ne peux pas rentrer à l'intérieur, sinon ça va me faire m'éloigner. Ah bah Bob, j'en mets donc 2, ce qui fait que je te plante les objectifs, tu n'en as plus que 2. Allez. Et là, on est good. Ich bin good? Ich bin good, hein. Ok. Le Toto, ici, il veut essayer ça va se réveiller. On va essayer. Sur un 4+. Plus. Alors, attends voir. Là, les amis, le... Carandras qui est mort, ici, tu utilises, ça coûte un PC? Yes. Un PC sur un 4+. Plus. Allez, Manu. Allez. Je suis avec toi. On y croit. Allez, allez, sors-moi le 4+. Plus. Relève le corps. Moi, je suis pas avec lui. Relève-nous, Carandras. Yes. Ah, c'est bon, ça. Carandras se relève. Comment ça se passe? Il retourne dans le close? Alors, quoi, avec combien de PV? Non, il est toujours en dehors du close. Okay. Combien de PV? Avec 3 PV en plus. Bon, de toute façon, il a perdu 3 par phase. Oui. Ouais, ok. Ça, tu en attendais à la con, là-bas? T'en aurais pu récupérer 4. Est-ce que tu veux pas que je mette les miens? Tiens, mets un petit test, s'il te plaît. Parfait. 40 gag est revenu. Mon petit Hugo. Ben, je peux. Pourquoi t'as mis ça, là? J'en sais rien. Ah, si, c'est toi. Allez, on récupère un PC tous les deux. Attends. Je mets en scoring. Scoring, première bis, tu mets combien? 0. T'as pas pris d'objectif ou ça? Non, j'ai pas pris. Bah, parce que t'as fait le gain avec ton Rhino. Okay. Ouais. Oui, non, mais c'est ça, c'est faire le gain. Il s'en fiche, il a fait ce qu'il a voulu. Alors vas-y, mercenaire de croix. De choix, je sais pas ce que c'est ça. Morceau de choix, pas mercenaire de choix. Ouais. J'ai pas fait parce que je n'étais pas apporté avec les Gretchen, mais okay. Je me suis rapproché, donc je ferai plus tard. Ok. Beast, là je mets 4 points parce que j'ai tué une unité avec Gascul, donc ça me fait 2 points. Plus 2 points vu que c'est un personnage, donc ça me fait 4 points. Ok, carte de table, tu le mets à 3 2. Non, peut-être pas sûr parce que là je suis à plus de 6, donc je le mets pas. T'es sérieux, tu mets pas ton carte de table? Non, faut que je sois à plus de 6 maintenant du bord de table. À plus de 6... Non, ça c'est sur la... C'est pas sur le... C'est sur le carte de table. Ok, donc tu mets... Tu mets pas de carte de table. Ok. C'est ça. Donc tu peux mettre 4 points à Hugo. C'est ça. Hugo, il joue que la poutre, en fait. Il est venu là, il est venu là pour poutrer avec le joueur. Ouais, c'est pas les dés du destin. Et j'en relancerai que... 2. Merci, Manu. Même si c'est pas pour une gna. Alors attends, est-ce que je peux essayer d'avoir une petite canette en tout cas de... Bah, ouais, moi aussi, c'est un peu. Ramène ça pour Manu, c'est dans le frigo. Oui, c'est dans le frigo. Voilà. Je sache ce que je garde. Ça, je vais le garder, c'est sûr. Ok. Ça, je vais le garder. Ok. Ça, je vais le garder, parce que j'aime bien. Je vais relancer ces deux-là. Il y en a 5, 2, 3. Et je vais garder celui-ci. Donc t'as 2-5 et 2-3. Yes, ok. C'est bon? Ça me va. Et merci. Deux blessures. Ok, c'est moi. Tac. Bon, écoute, phase de move, Terminares. Tu penses, Manu, à nous la commenter rapidement? Non. Je ne pense pas, mais maintenant que tu me le rappelles, je vais le faire. Parce que moi, je veux suivre. Alors, ce serpent qui est vide vient sur l'objectif. D'ailleurs, hop, je me mets plutôt comme ça, le but du jeu étant de t'empêcher de venir sur l'objectif. On va essayer en tout cas. Attends, si je ça a du sens. En me mettant comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Donc, il est vide parce que les Vengeurs ici ont débarqué, donc ils vont prendre pour cible cette unité. On va essayer de la wipe. Ce qui est ici, il va essayer de wipe ici. Et avec les motos, je vais essayer quand même de continuer à entamer ici ou de tuer les bonshommes. Les bonhommes qui sont là. Au cas où il y aurait des survivants, j'ai quand même sorti Azurman pour les finir au tir ou au cac. Quant à Carandras, je ne sais pas encore s'il va aller chercher le petit grotte là ou s'il va essayer de finir. Comment il s'appelle, Gascul. Gascul, je vais lui enlever. Et re la guinche. Je vais lui enlever ses 4 PV sur ce tour-ci.
sur la phase de tir. Et donc après Karandras, normalement, on devrait pouvoir aller le finir au corps à corps. Donc soit je me concentre sur le gascule, soit sur le petit pimpin là-bas. Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que tu veux ? Super. Voilà, phase de psy. Vachement urbain l'Eldar quand même. Ouais, moi je te... Pourquoi je vais la surmène ? Pour le super OP ? Pour le super OP et parce qu'en fait il a une 3 plus 1 vue, donc ça ça peut vite trop l'une, l'une des seules. Et comme Karandras, quand il fait des 6 pour blesser, il fait 1 des 3 mortels. Et lui par contre il n'est pas limité sur les véhicules, les monstres, etc. Okay. Donc avec les dés magiques, avec les 5 pour blesser par exemple, ouais, tout à fait. Tu peux aller sereinement taper dans des gars multi-PV et en arracher un paquet. Allez, phase de psy. Est-ce que je récupère un PC ici ? Yes. Tout ça juste. Récupère un CP. Tac. Ah, c'est Codex qui récupère des CP tout le temps. C'est pété. Ouais. Est-ce que je vais faire un guide ? Oui. Je vais le faire à... Ah. Non. Non. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc, profite, que je pense que Manolo a répondu à ta question. Lui, il va faire son action psy, donc j'utilise un 6 auto. 6 et 6, ça fait 12. Ça fait un petit ça péril. Fait un péril. Oui. Combien de PV ? 3. Bah, il meurt. Adios. Est-ce que je peux relancer ? Ah, puis en plus, tu fais pas ton action du coup, quand tu meurs. Non, mais c'est pas ça. Mais est-ce que je peux relancer le dé de BM ? Le dé. Pas non, de péril, il faut que je relance les deux. C'est ça, hein? Attends, je vais le faire. Je prends les mourir, évidemment. Donc, je relance les 2D. T'as la coiffe de. Non, c'est un archonte. Donc, lui, il a pas cette règle. C'est l'archonte. Ce sont que les grands prophètes qui ont cette règle-là. Donc, à 9, excuse-moi. Et il y a Lagarge qui a posé une question pour toi, Manolo. Oui, en 70. Yes. Ça passe. Et donc, est-il possible d'avoir le fichier d'impression 3D du lot offert lors de la dernière make-up ? Ou est-ce que je peux le récupérer, s'il te plaît ? Yes, tu m'envoies un MP et je te filerai ça. Voilà. Donc, lui, il a fait son action psy. Eux, ils vont utiliser le dé restant pour faire la célérité. Ça passe. Donc, il revient. Oui, Pollux, mais on est à la cool malgré que c'est un petit tournant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? En psy, ah ben oui, lui. Alors, il va nous faire une malédiction à 18 pouces. C'est pas ça. C'est le doom. Yes. 18 pouces. Où est-ce que ça mène ? Est-ce que ça mène sur lui ? Ouais. Oui, sur lui. Mais j'en ai pas vraiment besoin, donc plutôt sur eux. C'est mon deuxième dispel. Yes. T'as encore quoi quand on sort avec lui ? J'ai soit plus 2 à la charge, soit un smite. T'as fait combien ? T'as fait 9 ou j'ai fait 9. Oui, j'ai fait 9. Ça passe. Okay. Je vais faire. Non, plus de la charge. Bon. Quoique. Je vais mettre quand même un. Oh, j'hésite. Ils sont boomés. Je vais mettre un plus 2 à la charge sur. Non, je vais mettre un smite. Allez, un smite sur eux. Un smite. À 8, donc ça passe. Ça va te faire 3. Tu veux le dispel ? Non, il a fait toutes ses dispels. Donc, sur cette unité. Il en a deux. Ça vient de cette figurine. Et le Doom, il est là-bas. Essayez de pas l'oublier. On est combien, Franck, là, sur le live ? Alors, nous sommes 221. Ok. Et bah. Phase de psy terminée, phase de tir. Phase de tir. Les vengeurs qui sont là vont tirer sur les orques qui sont là. Donc non. Ici. Non. Je vais commencer par l'archonte qui va tirer au pistolet shuriken. C'est où l'archonte, c'est là. Ouais, c'est là. Tout à donc fait. Il touche et il blesse auto à PA-3 sur cette unité là. J'ai un petit à 5. Yes. Donc, et il va bouger de 4. Moins 1, 3. Ça fait un mort. Le grand prophète va faire pareil. Donc il touche. Il blesse pas, c'est fait, il va bouger de 2, donc il va pas bouger. Donc maintenant je vais faire tirer les vengeurs. C'est vrai que quand des barbus à casquette. C'est le gars qui m'a fait un mort là. C'est le petit monsieur qui était là. Qui était là.
et qui est revenu ici. Ah, les deux arcantes. Il n'y en a qu'un qui a tiré. D'accord, parce que l'autre était derrière le couvert. D'accord, ok, ça marche. Et c'est lui qui t'a fait la blessure. Il a tiré. Ça marche. Alors, on a 1, 2, 3. On est au même endroit. On est ici. 5, 6, 7 vengeurs et l'exarch qui va la diverne. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Allez. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi à faire un 6 sur mes tirs à part avec l'arcante, avec le Hail of Doom. J'espère que ça va changer. Oui. Oui, 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 pas qu'un peu. Par contre, on a fait plein aussi avec Orandra, ces 6. Ouais, mais pas sur le Hail of Doom. Je vais la faire sauvegarder parce que je trouve que ça sera suffisant pour les tuer. Ah, donc il l'a fait hors champ. Ouais, j'ai fait hors champ. Je pense que ça fait 4 morts, il m'en reste. Alors déjà, je vais essayer de te blesser encore un peu. Ouais, c'est vrai. Blesse à combien? 5? C'est force 4? Ah, 5, ouais. Alors comment je sens le match de demain? Mitigé, on va dire que au vu du scénario et de la table, ça va être très indépendant. Essayez de bouger aussi de 4. Et à celui qui agressera plus rapidement l'autre, parce qu'il a pas mal de super OP, j'en ai aussi. Mais de toute façon, on verra bien demain matin. J'avoue que le match-up est à jouer. Et, surtout sur un match à élimination directe. Donc, ici, c'est fait. Les vengeurs qui sont là vont tirer sur les orques qui sont là. Mm-hmm. J'aurais dû garder les blés. Oui, t'avais la même sauce. Il y en a plus. Il y en a plus, encore. Deux. Dommage que j'ai raté ma charge. Oui, bah. 4. C'est très nuit dépendant. Oh, 6. Tout est relatif. 7. Oui, aussi, oui. 8. 9. 10. Avec le monde qui part en vacances en plus. Il est pas improbable que je me suis plus de temps à remonter qu'à descendre. Ils partent ou qu'ils reviennent des vacances. J'ai des grosses mains, mais je suis pas sûr que ça suffit. Hein. Allez. Ah, c'est moins bon. Il y a beaucoup moins de 6. Ouais. Y'a que ça? Oh là là! Plus en bonne. Il chatte en plus! Oh, toi t'es content, ça va? Mmh. Toi tu vis bien! Regarde-moi ça, regarde-moi ça! Donc Orandra, si me one-shot mes 4 quilles, je vivais moins bien, mais bon. Ah bah oui! je te blesse sur du 5, on est d'accord? C'est vrai, ouais. Ouais, ça blesse. Pas mal de fortes PA, non? Ouais, je m'en fous, c'est du mieux, j'ai et comme tu es doomé, je vais relancer. En fait, c'est soit il fait pas de 6, soit il en fait beaucoup trop. Voilà, PA moins 4 et moins 2, donc ça revient même. Ouais, c'est un PA 5, parce qu'il est sous la guerre. 1, 2 morts, 3, 4, 5, 6, et... Il m'a fait sur mon A10. T'en as 8. Mais je peux en mettre 8 ou 7 et un PV. 7 et un PV sur les autres. Yes. C'est eux qui ont tiré. Donc, ouais. Donc c'est là. Là, il y a un serpent qui peut être où? Est-ce que tu peux me passer mes s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. C'est un peu loin du serpent, qui s'appelle sûrement d'autres... 18 pouces, non, je sais pas. Quand je voulais dire qu'il y a pas mal de super OP, ça, en fait ça dépend du trade. Parce que quand vous allez voir le scénario de demain, c'est en 6 objets, mais c'est en triangle. Donc du coup il t'en reste. Ah. Il m'en reste 4. Et tu avais perdu 8 PV. Si c'est une domination, tout à fait. Je mets un PV sur mon obs, du coup, qui se trouve. Ici. Et t'avais combien de bonhommes? J'avais 10. 10 et t'as perdu 8 PV. Vas-y, ouvre la porte. J'ouvre la porte. Ok, bah du coup c'est Manolo, est-ce que tu avais 3 objets en face de commandement? On en avait 2 mais il y en avait plus que moi. Oui. 2 mais plus que Hugo, donc effectivement on est bien à 8. C'est ça. En fait, j'ai fait de la merde. Tu m'as contesté l'objet. J'en ai contesté un, il mettait pas 12. Oh. Ça. J'ai pas mis 12 parce que tu m'as contesté un et parce que tu n'en as pas pris un ici. C'est ça. Ouais, ça, je pensais que j'étais dessus et j'étais pas dessus en fait. Donc, pas de soucis. Écoute, on va faire tirer le grand prophète sur Gascul. Donc avec le pistolet d'or. Le pistolet d'or. Alors ça fait déjà 2 mortels, 2 touches supplémentaires. Je vais utiliser un dé pour blesser en plus, donc ça fait les 4 PV. Pourquoi ça fait 2 touches supplémentaires? Non, ça n'est pas 2 touches supplémentaires. Oui, mais là je prends les 4 PV. Et sur les 2 touches, j'utilise une blessure auto, donc ça fait les 4 mortels. Il me reste 4 PV sur le bascule.
Oui, j'en ai pris 8. Donc il me reste un dé ici. Est-ce qu'il va bouger? Ouais, de 1. Ok. Ensuite. Ça c'est fait. Alors il me reste quelqu'un ici. Alors là, ici. C'est. Les motos qui sont là. Les motos qui sont là vont tirer sur les bonhommes qui sont là. Donc les motos ici. Il n'est pas porté de Macari. Très bonne question. De quoi? Il n'est pas porté de Macari. Ouais, pour Finopen. Si, il y est, tout à fait. Tu as mis combien de BM avec une forcement de sauvegarde? Alors, alors du coup, je t'en ai mis que 4, je vais t'en mettre 6. Puisque tu as une Finopen. Merci Noah, là tu suis bien plus que moi. Effectivement. Et comme j'ai jamais encore fait de Finopen sur Gascule. Bon bah ça fait tout pile 4 PV. Je suis tristesse. Alors, donc les motos sur sur tes orques là. Allez, c'est le moment de sortir des 6. D'accord. Comme, ben non. Comme d'hab. Et non, ça me sert bien ce. C'est toujours sur du 3 plus. Pardon? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis parce que sur ces orques, il sait que ça. Sur les volants. Sur les volants. Je connais pas les noms. Les Stormboys. Juste ici. Je les ai montrés 3 fois quand même, hein. Merde. On l'a pas vu. Et c'est quoi les motos? Ça en fait 2. Ah bah voilà, 2. Et ça fait que 2 blessures du coup, donc moi je m'en fiche de la PA parce que j'ai mon enjeu à 5 en WAG. Et voilà. Ça fait 1 mort. Allez. Ça c'est fait. Je vais avoir. Je l'ai. Qu'est-ce qu'il me reste? Le serpent. Eh ben le serpent, on va tirer sur les mêmes. Hein. Et après je pense qu'on aura fait le vilain. Le serpent qui est vide. Le vilain. Même cible. Ah, mais il y a quand même un 6 ce coup-ci. Ah, mais Franck, il faut que tu changes les deux, mais c'est pas possible. J'ai pas assez de 6, hein. Normalement, le 6, c'est 50% de réussite. Il marche vachement bien chez moi. Tac. Ils ont pas désengagé les serpents. Allez. Est-ce qu'ils ont pas désengagé tes serpents? Non, tu les as pas chargés. Ok. Oh, parce que je sais pas si j'avais pied dessus ou quoi. Donc apparemment non, Shard ils étaient pas chargés. Il a chargé les Shining et il a chargé les motos qui étaient là. 6 tacs par les boys, dit Shard. Si ils avaient pied dessus. Le chat dit qu'apparemment ils étaient engagés. Ils ne tirent pas les rangers. À la console, je ah oui, exact. Oui en fait mes boys sur, faisaient. Sur un... celui-ci alors. Celui-là, il était... C'est celui qui était là. C'est celui où les mecs. Ouais. Donc, du coup, merci. Tu peux remettre. Non. J'utilisais un PC pour pouvoir désengager tirer. Merci, Ashford. Merci, le chat qui suit, parce que moi, j'étais pas là. Je t'avoue que je l'ai même pas vu. Oula. Tac. Effectivement. Alors, les Rangers vont tirer plus tard. C'est à moi d'être plus attentif. Encore lui aussi. Non, mais j'ai pas fait attention. Les Rangers, ouais, n'ont pas tiré. Les rangers n'ont pas tiré, donc... Après, il faut qu'ils voient quelque chose. Donc là, j'ai tué une unité avec le serpent, j'ai tué d'unité avec eux. Donc, lui va tirer là-dedans. Là, voilà. Il reste 1, 2, 3 PV. Il reste 1, 2, 3 PV. Manolo n'a plus de dés en stock. Je vais quand même tirer avec les Non, je vais tirer avec les rangers d'abord. Sur l'unité au pistolet shuriken. Il y a un 6. Est-ce que je blesse? Non, 1. PA-3. Ça fait 0. Ok. Et donc maintenant je te tire dessus avec avec Azurmen. Donc lui il a 6 tirs. Ça touche pas. C'est de la force 4. Donc c'est sur du 5. Il y en a 3. PA-2. 5 dégâts 2. Morts. Ils sont morts. Ok. Donc tu viens de prendre une deuxième unité avec un aspect. Non, c'est la première. La première l'unité qui est morte ici, elle a été tuée par le serpent. Karandras, lui, va tirer sur. Bah, sur le petit pimpin. Non, je peux pas. Je peux pas le cibler. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais tirer sur. Je vais tirer là-dessus. De plus, ça passe, c'est de la force 5 de mémoire. Sans du 8. Sur du 5. Ça fait.
Allez. On arrive à la fin de la phase de tir. Le serpent qui est là. Alors, est-ce qu'il lui reste quelque chose à tirer? Alors, il y avait Easy Figurine et Ashard qui disait que les deux étaient engagés. Donc, je pense pas que tu puisses tirer avec lui. Ouais, j'avais ça. Tu avais engagé les deux là? J'avais fait un grand. Bon, ouais. Comme ça, il tire pas. On va pas plus. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il me reste? Ceux-là, là-bas, ils voient rien. Ouais. Ils peuvent rien faire. Donc, phase de charge maintenant. Donc on passe à la phase de charge de Mandros. Va charger Gascul. Ah ouais. Tac, il est arrivé. Bon bah qu'est-ce que je vais serrer les fesses hein. Alors. T'es confiant? Moi si il me tue je mets 8 points donc. Mais je tape en mourant, je bute son perso et. Ouais mais moi ça m'arrange. Dans tous les cas je vais mettre mes points. Ouais. Généralement je mets entre 8 et 10, ouais. 15 et plus. Même plus compliqué. Il y a 2, 6. Qui feront pas de mortels. C'est de la force 6, donc du 7. Sur du 7, donc sur celui du 5, rien. C'est vrai, 2B, putain, je suis ouais. Allez. Bon, bah, tu prends déjà 4BM. 4BM et 2 blessures. 5 blessures en tout. Parce que j'ai mes fines pain. Yes. Donc il y en a 5 à PA-2. Ah, ça fait des BM en plus. Oui, oui, c'est en plus. Tout à fait. Donc t'as 5 sauvegardes. Ah, bon fait, j'aurais peut-être joué Carandras. 5 sauvegardes, c'est ça? Ouais, 5 sauvegardes à moins 2 et 4 BM. Et dégâts 1, c'est après 4 BM. Ah non, c'est chaud quand même. Ouais, il t'a. Tu vas faire une par une et sauvegarde à PA moins 2, c'est ça? Ouais, ce qui te reste 3 CP, tu peux faire. Tu peux te réserver une reroll. Ouais, est-ce que tu m'autorises à faire un fast roll et que je relance au cas où si tu veux que j'en rate une. Allez, c'est parti. Bon, écoute, c'est quand même joli. Non, parce qu'il va faire ses 7 fines open, donc tant pis, il fait ses 7 fines open, et puis... Après tu tapes, hein. Après il tape, hein. Il meurt. Tu as mis 2 PC, tu payes tes 2 CP. Donc du coup, moi ça me permet de faire 4 points sur mon secondaire. 4 points sur le secondaire. Ça va, les cailles. Donc j'ai mis à terre, après, mais je touche 1 de plus, reroll, et 6 explose. Pas, très joli. Pas décidé à faire de 6, bon, mais décidément il fait pas de 6. Mais sur du 2, ils font pas de 6, c'est 2. Sur du 2. T'as vu ça? Voilà, donc t'en rates une et le tonton il meurt. Alors. Ah voilà. Tu peux la relancer. Tu peux. Mais il en reste 4. Est-ce que j'essaie de te troller? Après je dis ça, mais bon j'ai réussi à 24 saves d'affilée. Ouais, ouais, non, mais. Je suis très mal placé pour dire ça. Je suis pas habitué à ça. Et pour le fun, je la reroll. Ah. Grand seigneur. Pour le fun. Ouais, je la reprends. Maintenant, il faut que je fasse que des 4. Voilà, c'est fait. Ouh, bah, il est mort. Les deux s'entretuent. Ouais. Et ça sonne du coup la fin de la phase de cac de Manolo. Et donc de la fin de son tour 2. Yes. Donc, tu marques quoi, Manolo, à ce tour-là? Alors, j'ai en primaire, en secondaire de primaire, j'ai 1, 2, 3. 3. En Wrath of Cain, j'ai les 4 points. 4 points en Wrath of Cain. Et j'ai les 3 points de Warp Ritual. Warp Ritual, 3 points. Et en assassinat, j'ai tué le. C'est pas le Seigneur de Guerre? Si, c'est Seigneur de Guerre. Si, c'est obligatoire, je crois. Et donc, ça fait 4 points. Et donc, 4 points. Donc, à ce tour-là, tu mets 14 points si mes calculs sont bons. C'est possible. Tu mets 3 points et là, tu mets. Nous, 4, on fait confiance 7, à Franck. Ça fait 14 points, ouais. Franck. Nous, on sait qu'on est chez des professionnels, donc... Oui, Rem final, il y a eu un combat de titans entre un aspect et gaz, et les deux sont partis. C'est ça. Et Hugo, toi, tu scores quoi, ce tour? Bah, moi, vu que je tue... comment dire? L'aspect. Je tue l'aspect et Gascu, donc je tue un personnage et je tue une unité. Ça me fait donc, en tout cas, ça me fait 4 points en plus, et ce sera mes 4 points en plus de sur... Beast. Donc ça fait 4 points de plus pour... Tu peux les marquer sur mon tour aussi? Ouais. Ouais, c'est... Donc là, on passe à ton tour 2. Tu as un seul objectif. Et je mets 0. Et tu mets donc 0. Ça, donc là, je suis à la deuxième phase de la WAG. Donc lui, il va faire le sort. C'est où je te disais qu'il met des BM. Je vais lancer un dé par figurine, parce qu'il y a un maximum de 6 sur chaque 4 plus. L'unité qui est ici. Ouais. Ça passe à 7. Donc là, on est passé en phase de psy. C'est malédiction du sud. Voilà, c'est ça. Je vous coupe 2 secondes. T'es passé en phase de psy. T'as fait un petit point sur ce que t'as fait en phase de move? Pas du tout. Pas du tout. Oui. On est d'accord. Pas du tout. Vas-y, tu veux juste, ouais, pour les viewers, il y a 200 personnes qui te regardent jouer. C'est cool de leur dire un petit peu ce que t'as fait. Ouais, ouais.
En fait, je vais mettre la pression, quoi. Donc, j'ai sorti un petit peu mes Ganobs, mes Boys et tout ici. Le but étant un petit peu de lui enlever ses primaires et aussi de enlever ces menaces-là. Parce que, falloir que je commence à prendre aussi l'ascendant. Là, j'ai pu commencer à faire mon action que je pense que je vais réussir à faire pendant pas mal d'autres tours. Et là, j'ai commencé un petit peu à sortir. Donc là, j'ai une charge à 8 à faire sur un critique sur l'Azure Man s'il vient à survivre. Là, j'ai une charge également à 8 à faire sur les bonhommes. Sinon, si je vois que la charge est trop lointaine, je vais charger ça. Le but, c'est de faire en sorte qu'il mette que 4 points de primaire et qu'il ait beaucoup moins de ressources et que je sois beaucoup plus étalé à la fin de mon tour, malgré le fait que j'ai perdu Gascul, quoi. Super clair. Le 4 à côté du Killerig, c'est des PV perdus ou c'est un deck qui traîne? Non, c'était pour, pour m'indiquer la... Ok, il est full. Tes deux Killerig sont full. Ouais, ils sont full. Ouais. Il y a juste Gascul qui a pris cher. Donc j'ai fait mon set pour Malédiction du Squig et... C'est le Dispel. Tout à fait. Bon, c'est long Dispel. C'est Karandras qui a défoncé Gascul. Ouais. Oui, ouais. Encore à corps, et Gascul est mort et il l'a tué. Il va faire un smite, alors je pense que le plus proche ici, ça doit être... Je vais mettre un smite sur. Tu disais que j'avais joué comme un. Donc tu fais. Ah bah, c'est-à-dire que si tu faisais pas ton 4 plus, oui. Ah, mais oui, je vais mettre un smite sur Rassurman qui est le plus proche. C'est un plan calculé, Manu. Bien sûr. Tu vas faire quoi? Avec le dispel, regarde, double 6. Regarde, combien de BM? Allez, un as à la BM. Combien? L'as à la BM. Allez, le 5. 3, voilà, pile poil, c'est ce qu'il me fallait. J'en demande pas plus, j'en demande pas moins. Je suis content. Manu a profité, je me suis barré pour mettre ses gros carrés noirs. Saligo. Il a fait ses spells, lui il va mettre un smite, le plus proche ça va être le machin là, le serpent. Donc je vais smiter. T'as des jolis smites hein. Ouais, c'est pas mal là. Bah t'as plus de 10 spells. Non là j'en ai plus. Il est là. Hélas. Oula. Sur celui-ci. Ouais. Là carrément tu mets des tonneaux quoi. Et puis sur du petit dé on est carrément sur du tonneau. Je vais faire ma phase de tir. Alors là j'ai pas envie que les Vengeurs sortent parce qu'il va sortir là. Attendez pas ce que vous voyez ici facilement. Hein, peut-être que j'ai baissé ma garde et voilà. Et peut-être qu'en un monde, c'est pas grave. J'ai fini ta phase de la combo. Ouais, j'ai fini ma donc phase de tir. Donc on passe à la phase de tir de l'orque. Ok. Là, il y a des rangers qui vont être au moins face du super OP. Donc je vais frouter tout simplement tes rangers là avec les méganobs. Allez. Donc je vais mettre ses coups de frouche dans eux et je vais mettre les ratata dans lui. Moi, ouais, vraiment, j'aurais moins 1 8, mais moins 2. Donc, Le mettre aussi. En gros, je m'entends pas. Je vais juste vérifier quand même que tout le monde soit à portée. Mais me semble-t-il, Kadoustous, on est bon. J'ai 5 des 6 touches auto dans les rangers. Merci à Rouge Alex qui nous follow. Bienvenue sur Creative War Game, mon pote. 10, 12, 14 touches automatiques sur ma pote, les rangers. C'est force combien les frouches? Force 5, 6. Ouais, sur 10. Bien vu, Jedwa. Tu es le 1607ème sur ce Twitch, ça fait plaisir. Bonsoir, est-ce que vous prévoyez des reviews des parties? Il y a une PA de moins 1 sur les Rangers, donc c'est du 6. Elles seront d'ici une petite semaine sur YouTube. Et j'ai. Alors, il faut que je vérifie combien j'ai de tirs exactement, si c'est 3 ou 4. C'est sur, 35, la chaîne Creative Wargame, bien évidemment. Donc, Mais non, c'était un. Alors, on va les mettre sur Tabletop Nuts. C'est 3 tirs par tête. Par contre, elles sont à 2 avec ça. Pardon? Ils sont à 2. Ouais, ouais. Je vais mettre 3 tirs, on sait jamais si je te fais un PV, c'est rigolo. Qu'est-ce que tu en veux? Là, c'est les tirs de shoota dans la surmaine. Donc, les 3, 6, 9, s'il te plaît. Des méganobs, parce qu'il y avait des lance-flammes dans la surmaine. En tout ou en plus. Encore. Alors encore 3 s'il te plaît. Alors, je touche à 6. Et je blesse à. Ah ouais, je blesse. Une blessure. Il n'y a pas de PA, donc c'est à 2 plus, juste histoire de mettre le PV de la ronde qui serait marrant. Merci. Tao 40k qui nous rejoint, qui nous follow. Bienvenue à toi sur Creative Wargame. L'idée, est-ce que je. Ah ouais, c'est un personnage donc. Ah mais si, c'est plus proche ça. Oh oui, il est pas écranté du tout. Oh, je sens que je vais exploser en cul d'Azure Man. Allez, je mets tout le. Les paroles. Là, je vais le stratosphériser. Ah, je mets donc tous mes tirs dans Azure Man, c'est-à-dire le des 3 touches de lance-flamme. Je vais te mettre le lobber et je vais te mettre le reste. Des 3 touches automatiques de lance-flamme. Yes. Oh. Je vais te baisser à 2 plus hein, parce que j'ai une force beaucoup. Mm-hmm. Bon, une. Bah, okay. Mais qui veut faire tes 3 PV d'un coup.
T'as un moins 3. T'as un moins 3. T'as un moins 3, donc sur du 3. Voilà. Okay. Félicitations. Attends, c'est dégâts des 6, hein. Il est pas mort. Ah, c'est dégâts des 6. Oh, Hugo. Ah, voilà, pas dur, mais. Tu l'avais dit. Tu l'avais dit. Du balai. Tu peux, si tu veux déjà utiliser ton CP, fais maintenant. À la fin de la phase. On fait maintenant comme ça au moins. De toute façon, il pourra pas te retirer dessus. Tu pourras pas retirer dessus donc. Au moins, ce sera fait, il n'y aura pas d'oubli, on gagne un peu, donc un là, tout petit peu de temps. Donc là, il utilise un PC pour attention. Revenir en jeu. Lequel plus de Manolo? Bah, tout le temps, s'il te plaît, respecte-moi. Aïe, aïe, et bah non, aïe, aïe, ça y est, reviens pas. Donc un deuxième aspect qui meurt. Il ne revient pas. Moi, je ne sois pas avec Gascu. Tout à voir. On sait que Kirigla a tiré, celle-là, une petite ligne de vue sur le machin-là, donc je vais mettre des trois touches automatiques dans ça. Kinkawet, bienvenue sur la chaîne. Yes, ouais, merci pour le follow, Kinkawet. Je mets tout dans lui, donc je vais mettre des trois touches automatiques dans le serpent. Mm-hmm. Ça fait deux touches automatiques qui vont me blesser à 4+, vu que t'es transhumanisé, ça en fait une, c'est une en vue. Réussi. Et j'ai des 6 touches auto, enfin des 6 tirs, je veux dire, qui ont touché à 6, vu que dans la vente. Bienvenue à Reinhardt, 25-300 qui nous rejoint. Voilà. J'ai le tir à 12 pouces qui touche à 6, voilà, c'est réglé. C'était là qui rigue. Donc là, elle a tiré, ça, on s'en bat un peu. Il reste tes boys, si tu veux, et je pense qu'après on est bon. Non, je pense que je m'arrête là, ça me paraît okay. Intéressant. Donc on va passer à la phase de charge. On va passer à la phase de charge, tout à fait. Une des charges les plus importantes, enfin une des phases les plus importantes de l'organisation. Exactement. C'est un point de vue. Là, je vais faire ma charge à 7 des nobs, enfin des méga nobs sur... Bah sur le machin, là. Est-ce que moi, je le roule match? Non. Bien sûr. C'est une charge à 7 qui est réussie. Jolie charge. Hugo, tu veux bien durer les dés, qui traînent, s'il te plaît? Ah, je les voyais pas. Donc là, il y a les Mega Nobs au centre de la table qui chargent. On va réussir leur charge à 7. Alors, faut juste que j'essaie de mettre. Je pense que je vais pas mettre tout le monde qui va taper parce que s'il va débarquer. Bienvenue, en fait, 7P1. En fait, s'il débarque, il va se poser sur l'objectif. T'es super OP avec eux ou pas? Non. Ah, donc attends, je vais peut-être t'empêcher d'en mettre trop. En vrai, je vais voir. Je vais peut-être te mettre un petit peu pour pas que tu débarques. Ok, je vais voir. Je vais voir avec le pin si j'ai fait ou pas. Pour le moment. J'en mets qu'un qui est au contact et les autres vont mettre à plus de 0,5 de vie. Manolo, il y a quoi dans le serpent? Il y a 10 vengeurs. 10 vengeurs. Et les vengeurs? Ça venge. Ça tue quand même ton balle. Hein. Il faut que je mette en fait à 33 pouces quand. Légèrement, hein. Plutôt il est là. Ennemi. Comme ça, je suis sûr d'avoir mon quart de table. Et c'est très bien. Lui, il va charger le serpent. Tu crois que tu vas y arriver? Le truc également. Double charge dans le cul du serpent. Comme ça, l'objectif est à moi. J'ai une Kiri qui peut tenter. À moins que mon serpent te tue en été de véhicule. Je pense que t'as... Il me reste 2 PC. Il te reste 2 CP, tout à fait. Je sais pas pourquoi qu'il y a un truc. Bon, bref, il me reste 2 CP. On va regarder plutôt là parce que c'est pas. Non. Ouais, si tu peux mettre... j'ai la charge à 8 des boys sur les vengeurs que je vais tenter tout de suite. Allez. Ou alors je vais peut-être tenter la charge à Kiri. C'est une charge à beaucoup mais que je peux réussir. Ça me coûterait 2 PC pour faire une charge. Je vais mesurer la charge vite fait. Si je trouve mon petit token. Il y a Gunatila qui dit que ta barbe blanchit de plus en plus, Manolo. Que quoi? Gunatila qui dit que ta barbe blanchit de plus en plus. Ah oui. C'est rien de dire. Pas que la barbe, oh, merci Gao pour les 5 abonnements à la chaîne. Ça me ferait 2 pouces par là. On s'est fait saucer? On s'est fait saucer. Allez, saucage de Gao. Merci au poteau Gao qui nous a claqué 5 abos. Est-ce que tu peux venir confirmer s'il te plaît? Je sais pas si j'ai une charge à 8 ou à 9. Là, je tournerai de 2 pouces pour être face comme ça. En fait, il me suffirait juste d'aller tout droit. Oui. Comme ça. Alors, j'arrive pas à bien voir si c'est une charge à 9. Non, c'est une charge à 9. Charge à 9. Et qui nous laisse à un abo de l'objectif. Charge à 9. Des 90 subs, les gars. Ouais. Dans les vengeurs. Quoi que tu peux m'overwatch, évidemment, mais ils sont pas guidés en vrai. Donc, en vrai. À part des 6 pour toucher, à chaque fois qu'il touche, il te blessera. C'est tout. Ouais, en fait, ça peut me faire des PV. Donc, non, je vais commencer par faire les boys dans un premier temps. Donc c'était une charge à 8, tu disais. En tout cas, c'est une charge. Je vais faire les boss dans un premier temps sur les vengeurs, comme ça tu me vois, tu vois. Charge à 8, reroll. Heureusement qu'il y a la reroll, allez. Non. Je n'aurais pas fait une charge avec mes boys.
Là par contre du coup je vais utiliser deux PC, je vais faire une charge à 3d6 avec la Kyrix sur les Vengeurs. Et Manolo va faire son tir d'Overwatch avec ses Vengeurs au milieu de la table sur la Kyrix. Non, pas du tout. Ah non, 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 tu lui enlèves son CP. Je vais enlever ses deux CP. Bah vas-y, tu peux faire ta charge à 3d6. Ah ouais, tu veux. Parce que je voyais manipuler ces trucs. Une charge à 9, reroll. Ok, d'accord, je suis doué. Ouais, oh, t'inquiète pas, j'ai pas fait mieux. 9. 9 tout pile. Tu veux pas la reroll? Non, j'ai fait 9. T'es relou. T'es pas joueur. Je mettrai des 3 BM sur un 2+, à la fin de ma phase de charge. Et merci. Attends, Hugo, on te bloque 2 secondes. Merci à Dolokan qui nous claque le sub, qui nous amène à 90 subs, les gars. Vous nous avez saucé de ouf. On a commencé, on était à 22 subs hier soir au début de l'event. Merci vraiment à tous. C'est un soutien incroyable que vous nous apportez. Le Twitch nous envoie même un train de la hype en approche, les gars, tellement vous nous avez saucé, on a eu plein de follow. Voilà, vous êtes avec nous, ça fait grave plaisir, donc voilà, continuez. Et on espère que on vous propose des lives et des parties de qualité. Et je redonne la parole à Hugo qui est en phase de bagarre. Et autant ne pas le distraire dans ces moments intenses de concentration. T'as fini toutes tes charges du coup? Eh bien écoute, j'ai fini toutes mes charges, c'est un fait. Et nous passons donc à la phase de combat. Alors, de toute façon, tu sais rien que je t'entends, tu vas pas me faire voir mal. Donc, je vais commencer par activer la Kyrix. La Kyrix qui est particulièrement énervée. Donc, tu l'as fâchée. Donc, elle a 6 attaques de base sur son profil maximal. Elle est en wild, donc elle gagne une attaque de plus. Ce qui va faire donc passer à 7. Elle va te toucher à 3+. Les BM. Oublie pas les BM, on nous dit. La charge. Il est quelle heure là? Il est tard, hein? Il est les BM à la charge, ouais, c'est ça sur un 2+. Oui. BM. Merci Order Benja, ça c'est trop cool. Sur BM, franchement, lives. Merci mon gars. Le fait qu'on ait les gars qui suivent les games. Il m'a saucé. Ouais, il t'a plus que saucé là. Il t'a sauvé 3. Merci l'ami. Manu, ouais, t'as un petit mot pour le gars qui a fait penser au BM? Bah ouais, franchement. Et lui, non, mais tu m'as saucé. Faut pas écouter. Gros bisous. Ah, et voilà le train de hype. Du coup, je te touche à 3, les 6 ça explose, et puis. Tu me touches à 3, tu me touches à 3. Tu me touches à 3. T'as combien d'attaques en tout? 7, plus 5, plus 4. Oui, il y en a beaucoup. Les gars, le train de hype est lancé. Les abonnements, les cadeaux et l'usage de bits permettent d'atteindre le niveau suivant. Incroyable, Twitch c'est un jeu en fait. C'est ça. Hein, on est tous dans un même, c'est donc ça le multivers. Ça fait déjà ça, c'est de l'indu. Les amis, on a passé les 90 subs, mon gars, et le train de la hype est lancé. Ouais, donc là, les gars, si vous voulez saucer, c'est maintenant. Sauçage maximal, c'est maintenant, les gars. Ce qui compense ici, ça a blessé. Allez, sur du 3. J'ai force 5, mais j'ai plus 1. Du 2. Parce que je suis goff, donc j'ai plus 1 sur force. C'est sur du 2. Et ben tout passe. Sur la vue, j'imagine. Allez. Alors, un sub pour Bubu Matchman, c'est le moyen de soutenir la chaîne. Le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Oh, il y a 2-6. Le Squeak est énervé. Et ça blesse. Barbakos qui nous rejoint. Ah, merci Barbakos. Ça en fait 4. Voilà, il reste plus grand chose. CP à combien? C'est PR1 vu, hein. Donc, tu me fais des gros 5 plus. Ouais, je 40k, je sais plus si je t'ai nommé, mais merci aussi pour le sub, ça fait plaisir. Le sergent survie. Il a fait des grosses invues. Il a fait des belles invues. Il a fait des sacrées invues. Et donc, Hugo, tu peux contrôler si tu veux. C'est ça. Et le farcir, il met un petit peu de BM, mais. Mais bon, ça va, t'as pas mal de PM. Hein, parce que c'est le socle, donc. Ouais. 3 pouces, tu revends pas. Faut que je sois à 4 pouces, en fait, pour être engagé avec toi. Mais je vais quand même me faire mes 3 pouces. Tiens, ça c'est à toi. Ouais, merci, c'est exactement ce que je cherchais. Non. Tout à fait. Yes, Gao, je sais pas du tout comment on fait ça. Je regarderai. Ok, on a un informaticien sur le coup, il va s'en occuper. Ici, j'ai. Alors, tu me demandes pas si je veux interrompre? Non. Ah, d'accord, je te demande pas. D'accord. T'es sûr? Je peux pas. Ah bon? Alors, je vérifie combien d'attaques. T'aurais pas interrompu quoi qu'il arrive. J'aurais peut-être interrompu. Alors, je regarde juste combien d'attaques j'ai, Dev Dread. J'ai 3 attaques, j'ai 2 pinces. Ouais, parce qu'en fait, normalement, il devrait avoir plus d'attaques que ça, parce que sur ma liste, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de rajouter des pinces, ce qui fait que je vais faire 2 attaques à force 10. J'ai 5 attaques, oui. 6, parce que WAG, et puis voilà. Tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Touche à 3 plus, hein, quand même. Touche à 3 plus. Bien sûr. J'ai été aidé, bordel. Mais il est relou, l'autre derrière. force. Enfin, c'est 30 pas force 14. Non, pas au close. Pas au close. Oh, je croyais.
Bah, ça blesse, ça te fait ça. Et à moins 3, dégâts 3. Donc sur du 6. Ce serait gentil de mourir s'il te plaît, mais il ne mourra pas. Tu ne mourras pas malheureusement. Ça fait 9 PV, il m'en reste 3. Bah, je vais pas mettre tes 3 PV avec le truc. Bon, alors là, la question c'est est-ce que je vais vraiment péter le serpent parce qu'il va débarquer et que en fait faut que je sois à plus de 36 pouces du, ici pour comment dire. Ouais. Et du coup, il te met combien de PV sur le serpent? Il fait 9 PV sur le serpent. Il m'en reste 3. Le serpent là il est vide. Si je reste là, j'ai objectif. Je veux les vides. Ok. Est-ce que j'ai vraiment envie de. Alors, est-ce que toi tu peux débarquer? Non, tu vas débarquer comme ça. Silence. Il peut pas débarquer. Silence, bienvenue à quoi toi sur il peut pas débarquer d'urgence. Bah, ce que je veux voir, c'est si. Est-ce que je peux en bloquer un petit peu son débarquement? Et comment dire? Et de tataner quand même. Là, tu veux cercueil le serpent avec non, les mégalodes. Non, pas cercueil, juste en fait de péter et faire en sorte qu'il débarque pas 5 mecs dessus. Enfin, pas 6 mecs. Ah, tu veux ouais, bloquer l'accès au, à l'objectif. Sachant qu'il y a 10 bonhommes dans le. Dans le c'est serpent, ça, en gros, qui débarque derrière et pas dessus. Après, il a sa cohésion de 2-2-2. Hein. Oui, mais en fait, faut juste qu'il se mette pas dessus, quoi. Tout à fait. Et il doit être, façon, il doit être à plus d'un pouce. À mon avis, tu peux le faire largement parce qu'il doit être à plus d'un pouce de toi. Avec 5 méganobs, tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire large. Non, je pense que oui. Donc là, en gros, je peux venir à Manu, t'en penses quoi ici. Moi, je pense plus, moi, ça fait longtemps. C'est ça la clé de la réussite. J'ai arrêté de penser en 89, je crois. Ok. J'avais 3 ans. Ouais, en fait, ouais, effectivement. En fait, il peut pas débarquer, donc en gros, tu pourras juste en mettre là. Mais la conso, c'est avant après débarquement. Mais moi, il va pas conso, que... lui. À toi ouais. C'est, c'est tu après. Vas taper, tu détruis. C'est après. Parce qu'à la destruction, tu mets tout, tu poses des figurines et après tu fais ton mouvement. Donc c'est après. Parce que, enfin, non, dans tous les cas, il pourra pas parce qu'il sera à un pouce de moi. Donc, là, en gros, tu pourras juste te mettre ici. Là, à 3 pouces, tu pourras peut-être en mettre un. Il n'est pas super OP avec eux de toute façon. Non, il n'est pas super OP. Tu te prends la tête pour rien. Ouais. Donc là, je vais te mettre des giga taquets dans ton serpent. 4 attaques par, par bonhomme, ça fait 4 fois 5, 20 attaques. Merci à Mayotte 85, ça fait plaisir. Vous êtes 234 avec nous en live pour voir Manolo affronter Hugo, ça fait plaisir. Quel soutien incroyable, niveau 2 atteint. On joue un jeu en fait à Twitch, c'est incroyable. 4. Chou chou. Merci à tous les gars. Les gars, les filles d'ailleurs. Ça fait trop plaisir. Touche à 4, yes. Moins 20 hits, et ici il s'explose toujours, et après c'est force, ouais, force 5, force x 2, 10, 12, parce que je goffe et compagnie. Ici, ici, ça laissera sur 2, 3. C'est ça, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 touches de plus, oui, 5 touches c'est de ça. Plus. Donc ça, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe oh, pas. T'as fait pas mal d'as, hein. Oui, j'ai baissé à 3. Pas très beau. Je rappelle que là, c'est les Meganobs qui tapent sur le serpent. Tout à fait, et il fait vraiment pas d'épaule. Oui, bah en fait, si tu aurais pas, je me prenais la tête pour pas grand chose de quoi. Si, mais au tir. Que au tir. Oui, tout à fait. Et il a vu, c'est pareil, que au tir. Ouais, j'ai donc c'est PA moins 3 ou moins 4 là. Moins 3. Moins 3. J'ai une 6. C'est 6. J'ai réussi une, donc il y en a 5 qui passent. C'est combien de dégâts? Des 8. 3. Non, non, c'est dégâts 2. Dégâts 2, donc ça fait 10. Il y en a 2. Il m'en reste 3. Fort bien, fort bien. Ouais, c'est dommage. Et tu peux faire ta console. Bah du coup je peux la faire. Je me marque pas dessus, je suis content. Et je reste sur mon quart de table et je reste à plus de 6. Sans trop table qui est visiblement là. Il reste ton truck à taper, c'est ça? Mon formidable truck, il y a 3 attaques qui m'ont touché à 6. Est-ce que tu es prêt à prendre tes 3 PV? Je ne prends pas. Donc on est à la fin du tour 2 et il y a la riposte de tes serpents. C'est anecdotique ça. Bonne durée, bonne nuit. Je riposte pas ici, hein. Tu m'as engagé ou pas là? T'as dit qu'il était oui, je t'ai engagé. Enfin, si je peux t'engager, je peux. Je, suis à, je pense que je suis à 4 pouces. J'étais à 4 pouces. Bon, bah, c'est parti, il peut riposter. Donc, je peux riposter avec les deux? Oui. Je peux riposter avec les deux. Bon, écoute, on va commencer par. Lui, tu y es là? T'es sûr? Non, t'as pas. Lui, non, lui, non. Ouais. C'était plutôt lui qui m'a. Alors, c'est le Warlock, c'est ça? Alors, lui, c'est un grand prophète. Un grand prophète. Touche à 2. Blesse à 2. Il blesse à 2. C'est ça. Pas de PA, ça. PA moins 1. C'est à 3 plus. Enfin, 4 plus du coup. Donc 2 dégâts. PA moins 1, je réduis de 1. Oui. Non, c'est force 9. Non. Au tir, au tir, oui. Au tir. Il a eu peur, Hugo, hein, sur le coup. Non, en fait, j'ai regardé en mode. Et tu peux riposter avec ton et serpent et serpent là-bas. Le serpent là-bas, il va faire une attaque. Oui. Touche. Touche. Ah, ce qui blesse, non. Et le deuxième. Et lui, bah, pareil, hein, une attaque à 6. Rebonsoir, net épique. Et du coup, ça sonne la fin du tour de Hugo.
Qu'est-ce que tu scores, Hugo? Je score 2 points de carte de table cette fois-ci. 2 points de carte de table. Avec mes boys et j'ai machin là et j'ai des trucs. Le primaire secondaire du scénario, est-ce que tu le fais? Je fais une fois, je le fais deux fois, je le fais trois fois ici. Trois fois. Et secondaire, morceau premier, morceau de choix, je vais faire à 3 points ici avec les Gretchen. À 3 points avec les Gretchen. Donc ça fait un tour à 7. Non, 8 points. Donc il est à 16, Hugo. Tout à fait. Et j'avais les 4 points, mais qui ont été mis avant. Qui ont été mis avant parce que Gascul a tué l'aspect. On est à 16, on est d'accord. On est à 16 et 28 pour Manolo. Manolo tient 2 objectifs à ce tour-là. Donc il met 4 points. Et on passe au tour 3. On passe au tour 3. Et moi j'ai un fanta. Donc les dés. Du destin. Et tu peux enlever roll 2. Yes. Moi je dis les orques ils ne perdent jamais. Soit ils gagnent, soit ils partent chercher des renforts et c'est pas fini. Soit ils sont morts et ça compte. Dans les réglettes. Ah oui, ah, c'est des réglettes. Ouais, ouais. Merci. Même si il hop. Et tu vous regagnez chacun un CP. Que je raconterai ma vie. Je Ok, alors, je vous explique ma phase de mouvement. Donc les motos sont venus ici pour avoir des phases, des lignes de vue ici ou ici. Le petit coco qui est là, il est venu, alors il avait 7 de mouvement, il s'est arrêté juste avant, là. Tiens, là, il y a un poil de couille, je ne sais pas qui il est. Oui, c'est ça. Voilà, on va l'enlever. Le serpent s'est désengagé. Comme ça, on est 1 et 1, et après avoir tiré avec lui, je pourrais faire mon petit mouvement de Battle Focus et venir prendre l'objet. Mmh. Tous ces gens-là qui sont là, ils ont très envie de tirer là-dessus. Les Shining qui attendaient patiemment leur tour, qui étaient là, sont venus ici pour prendre pour cible cette unité-là. Le Serpent est resté sur l'objet et il est venu se mettre là, histoire de dire qu'une fois que les Shining auront, j'espère, lavé les nops, ils pourront un petit peu bloquer le passage, notamment tout ce qui est véhicule. Voilà. Et puis celui-ci, là, le grand prophète qui est là, qui s'est désengagé. Il s'est désengagé, mais j'ai payé un CP pour qu'il puisse malgré tout tirer. Il ne pourra pas faire de psy, mais il pourra quand même tirer. Et puis voilà, les serpents, les vengeurs qui étaient dans le serpent qui était positionné ici, sont venus ici et sur l'objet et à portée de tir des deux unités. Comme ça me permet de voir un petit peu. De voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire. Donc, voilà, tout. Manu, je tiens à te féliciter pour cette séquence d'explication. Je vois que tu es vraiment en train de prendre ton rôle de joueur en live. Et je vois le delta, les progrès que tu viens de faire en l'espace de 2 heures de live. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est vrai. Et il faut le souligner. Tu sais que ce soir, je dors tout seul quand même. Hein. Donc, c'est pas grave. Ne t'énerve pas, je suis pas un garçon facile. Mais c'était très bien. Hugo, je t'invite à prendre exemple sur ton aîné. Mino. Pino. Pino. Allez, phase de psy. Phase de psy, est-ce que je vais récupérer un PC? Allez, oui, c'est bien. D'ailleurs, est-ce qu'on les a récupérés, les PC, là, sur oui, ce oui, PC ouais. Je... T'as quoi, tu l'as récupéré? Tu as lancé, t'as le Quicken, un Smite. Alors, là, je vais lancer un guide. Ah, il y a un guide quand même derrière, ok, d'accord, je m'en bats les couilles. Qui passe à 8 sur l'unité rouge. Hein. Je vais essayer de dissiper le guide. Ouais, je passe 9. Ok. Le lien pour le Paris Grand Tournament, c'est sur le site www.creative.fr. Vous avez un encart Paris Grand Tournament 2023. C'est justement, il vient de la date. Ok. C'est en 2023. Si tu veux les dates, Louis, je vais essayer de mettre un moins 1 à la save sur eux. Donc Manolo met un moins 1 à la save sur tes Megadams. Bah d'accord. Ok. Eux vont faire un smite à 7. Mm-hmm. J'ai qu'une dispel. Il est trop loin. Ouais. Donc à 7. Mm-hmm. 1 sur le qu'il arrive. Hein. Je suis très déçu. Okay. Et j'en ai terminé avec ma phase de psy. Phase de tir. Oh merde, j'ai pas utilisé mon. Bon, tant pis. J'avais qu'à y penser avant. Alors, il me reste une touche et 2 blessures. Ok. Phase de tir. À tout seigneur, tout honneur. On va commencer par les motos qui sont là. Qui vont prendre pour cible les boys qui sont là.
que tu passes par la veine pour les cibler ou pas. C'est les motos qui sont où, Manu? Non, non, il peut pas. Les motos qui sont là. Non, il est pas obligé de passer par là. Non, il vaut ici, je pense. Il en voit un. Tu as vu? Ouais, et tu tires sur? Sur les boys, juste ici. Vas-y, envoie la sauce. Toujours pas de 6. Ah si, il y en a un. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à s'épéter. Ça commence sur du 3, voilà. Donc tu en as 4. 4 à vue. Et 4 morts. Yes, 4 morts. Bien fait. Est-ce qu'elle bouge les motos? Les 4. Je crois qu'il m'en manque. Je crois que j'ai oublié de mettre 2 figurines d'ailleurs. Ah, c'est trop 10. Tard. Trop tard c'est maintenant. 10, j'ai 10. Voilà, mais en 2 derrière. Tac. Ici. Ok. Ensuite, à tout seigneur, tout honneur. Tout à fait. On va faire tirer lui dans les boys à nouveau. Bon, lui va faire 6 tirs. Question pour Hugo, le KFF, tu en penses quoi? Il répondra après. Allez. Déroulé. Toujours pas de 6. C'est sur du 5. Eh ben si, il y en a deux. Donc deux invus. Ah, pardon, c'est bon. Double 6, allez. Non, ça fait deux morceaux. On bouge 2, 5. Qui me permet sans de passer par la vente. Ici. Tac, la manœuvre étant d'être désormais à 2 sur l'objet alors qu'il est tout seul, donc hop, je récupère l'objet. Ça c'est fait. Donc maintenant, les serpents peuvent attirer puisqu'ils sont désengagés. Je vais faire tirer les rangers sur les Meganops. Donc ils sont 5. Alors je tire au fusil de sniper. Je crois, 8 à moins 1. 15-6. Je sais pas, c'est pas un shuriken. T'as 4 touches. Et je blesse sur du 5+, et les 6 sont des mortels. D'accord. Une plus. C'est bon. Je communiquerai une fourchette trimestrielle du PGT demain soir à la finale. Je vous dirai ça demain soir. Le guide. Je vais répondre à la personne, parce que sinon j'ai oublié celui qui a posé une question. Le KFF. KFF. Attends, je te la rappellerai après. En gros, ce que je pense du KFF, bah, c'est une bonne entrée. Après, c'est vrai que l'invue à 6, c'est remplacé par la WAG maintenant. Maintenant, il faut que tu payes 2 PC pour avoir un vue à 5 que tu perds après. Donc, ou en soi, tu peux avoir 2 tours d'un vue à 5, mais bon, je sais pas, je pense que ça se réfléchit. Ça peut être un truc. Après, ça commence à te faire beaucoup de points d'assassinat si tu commences à jouer des Kiri et tout. Donc, puis ça te fait prendre 100 points quand même dans la liste. Donc, je sais pas. Moi, personnellement, je le prends pas. Je vois pas l'utilité. Vas-y, Manu. Non, mais vas-y, fais ta vie. Vas-y, fais la tienne aussi. On jouera demain, je pense. Deux pieds. Allez. 3 tirs du grand prophète là-dedans, donc un tir auto qui passe auto, les deux autres, hop là, il y en a un qui passe pas, quand de sa mère. C'est pas celui qui tire. C'est le grand prophète qui est là. Qui tire sur le kill rig. Est-ce que je le reroll? Non, je le reroll pas. Et je vais blesser auto avec celui-ci, donc tu prends 4 mortels. Tu as perdu 6 PV. Donc le kill rig vient de perdre 4 PV. Fait un petit tir de la ridicule farcie. Tac tac, ça c'est fait. Est-ce qu'il bouge un petit peu le farcir? Non, il a fait son. Il s'est désengagé. Yes. Alors Dan, les rediffs seront disponibles d'ici une semaine sur YouTube. 18 pouces, je pense pas y être. 12 pouces, je pense pas y être. Évidemment, j'y suis pas. Ok. Je vais faire tirer les bleus en premier, là-dedans. Scusimi. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Pile poil. Donc ce sont les vengeurs bleus qui tirent sur le... Le machin là. Allez. Alors ça j'aime bien. Ça aussi. Avec des pis. Allez. Encore tout ça à faire. C'est long votre jeu. Je passe à 6 du coup. Yes. Heureusement. Il y en a encore. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Je suis très déçu. Je passe à 6.
Ben, en fait, on va partir. Donc il a perdu 12 PV. Bien fait. Et ben, donc, il lui en reste 4. 6, 4. Moi je trouve que c'est bien fait. Non, c'est mal fait. Alors ce matin c'était des IK, mais oui, c'est... sinon c'est ça. Alors, on reste 4 PV. Je vais tirer avec l'arc-compte ici là-dedans, avec sa catapulte shuriken. Ça, ça touche pas. Ah non, c'est un droit. Sur du 6, rien. On du coup, tenter. Il est resté Vengeur rouge. Alors, on va tirer maintenant avec les lances de lumière qui sont ici dans les Megadops. Quoi, c'est grâce à la relique. Alors, je sais plus le nom, Hugo, tu dois l'avoir. La relique qui met des BM. Arc du cœur, arc de cœur d'os. Oui, arc de cœur d'ours. Arc de cœur d'ours, c'est ça. Et après, c'est marque du chasseur. C'est, ça fait 2 BM ouais, parce qu'il y a le trait de seigneur de guerre. La marque du chasseur, il y a des trucs. Donc, c'est le combo marque du chasseur et l'arc de cœur. En blanc, le canon shuriken. Et je te ferai, et je te ferai les lances après parce que j'ai passé des dés de deux couleurs différentes. Je te fais un fast roll et je te dirai lesquels. Ouais, tu as juste moins 1, lui, je suis dans la Alors, ça, ça touchera pas. Ça non plus. Félicitations. Alors là, c'est quoi, Mano? Donc, c'est ça, les motos. C'est les motos juste à côté qui tiennent sur les Megadops. Et ça, c'est donc la catapulte shuriken. Ça 5. Va te blesser sur du 5. Non. Et attends, il manque 2 tirs de lance. Qui touche. Par contre, c'est de la force 6. Il y aura 5, c'est du 3. C'est du 3. J'ai le dé. Hein, là, ils ont été sur le dé. Ceux-là, ils sont déchargés. Donc, non. Sur du 3. Voilà. Donc ça fait, c'est PA-4 dégâts 2 et ça c'est PA-3 dégâts 1. J'ai un plus. Je suis dans la veine, j'ai un plus, PA-4. Maintenant il t'a mis moins 1 à la save. T'as moins 1 à la save, j'ai 6 plus alors. Manolo, tu n'as pas oublié des relances de 1 quand tu as des fixes sur les objectifs. Ça ce sont des shining donc non. Et sinon. Donc, ça fait 2 dégâts et ça s'en fait 3. Non, sinon il était pas sur les objets, à part peut-être ici, effectivement, il a peut-être oublié un ou deux mecs qui étaient. Non, non, c'est que avec les gardiens et les. De quoi? C'est quelqu'un dans le chat qui demande. C'est que les gardiens. Voilà. Les gardiens, oui, et les motos et... avec catapultes shuriken. Je crois que les motos avec canon shuriken n'ont pas cette règle. Non, c'est que les catapultes. Ça c'est fait, ça donc c'est il fait. Juste donc, les vengeurs. Il me reste eux. Alors les vengeurs, bah, c'est simple, on va. Alors il te reste 4 PV. Oui. Ouais, non, je vais pas jouer au con, je vais tout mettre là-dedans. Donc là, tous les vengeurs qui tirent sur le kill rig. Auquel il reste 4 1, points de vie. 2, c'est chaud. 3, 4, ah voilà. 5, 6. Je pense que ça va exploser. Ah, 7, et là, il y a moyen de tirer, oui, effectivement. Ça fait, c'est une explosion à combien de pouces autour? 6 pouces. 6 pouces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 10, pouces, il y a moyen même que tu pètes les deux. L'exarc. Allez, ça serait vraiment drôle. Et là, boum encore. Oh. C'est le mot-clé gardien, donc catapulte ou canon, si la cible est sur un objet, tu verras déjà. Merci Tortuben pour la précision. Ça, j'aime bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vais faire mes 4 sauvegardes à 6, ça va trop. Attends, il va y en avoir d'autres, je suis guidé. Donc, faut que je reroll. T'inquiète pas, Étienne. Oui, si ça me reste ça suffit. Le G s'est fait hors de temps, mais le killing est mort. Ça suffit. Est-ce qu'il explose? Il n'explose pas. Ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et on a fini la phase de tir, il me semble. Yes, phase d'assaut. Est-ce que tu bouges avec eux? Ouais, attends, je vais bouger, effectivement. 5. 5, et je vais venir par là. Merci à Tsench pour le follow, ça fait plaisir. Et il y a Short qui dit non, c'est que Shuriken Catapulte. Mettez-vous d'accord, les gars. Maintenant, je vais utiliser un PC. Je vais utiliser le champ du serpent qui est là pour cibler cette unité et tu n'auras pas de tir de contre-charge. T'es lance-flammes là, hein, hein, t'étais comme ça là, tu te disais oh les lance-flammes ils vont faire du boulot et puis paf, attention. Ah, tu t'y attendais pas celle-là. Ah, celle-là tu l'as pas. Ouais, hein. Ouais, je charge. Ouais, je charge. Oui. C'était la charge auto. Je suis très déçu là, du coup.
Donc là, pour le chat, il a, Manolo a claqué un CP pour que le serpent annule l'Overwatch sur les Meganovs avec les lance-flammes pour que les settings soient plus chargés. Le serpent n'a plus la transvue et n'a plus la 5 plus 1 vue. Voilà. Et bienvenue à S.Dao qui nous follow et qui nous rejoint sur le Twitch de Cartoon Wargame. Oui, c'est vraiment que de la histoire. Bienvenue à toi, mon ami. Je te voyais, en plus, je te regardais, je voyais que tu avais le... Je voyais dans ton œil la petite lueur, disait, ah, il va me charger, j'ai mes lance-flammes, je vais me régaler. Il l'a oublié. Laisse-moi m'aider, s'il te plaît. Ah oui, je l'ai mis sur le tapis, c'est pour ça. Allez, l'exarpion noir. Tu vas en tuer un, et puis ça va être moins rigolo. Allez, ça, c'est possible, par contre. Malheureusement. Exact, après vérification, c'est bien que catapulte. C'est fort possible, malheureusement. C'est fortement haut. C'est ceux qui mettent des BM, ça? Ouais. En noir, les BM, justement. Mmh. Allez, touche à 3. Alors, j'ai full reroll sur lui. Comment t'as full reroll? Avec son pouvoir d'exarc. Full reroll des touches et full reroll des blesses. Okay. Ah, le trait d'exarc? Yes. Tac, tac, ça, ça touche pas, ça non plus. Et donc là. T'as pas de BM du coup. Sur du 5 et du 6. Le trait d'exarc, ça donne reroll des touches, des blesses et des sauts de 6. Alors, tu as l'arme qui te permet de faire full reroll des touches et des blesses. Ouais, ça c'est le sabre. C'est le sabre. Ah après, oui, c'est okay, le sabre c'est reroll des touches et des blesses. Okay. C'est ça. Donc c'est de la force 6 et de la force 4. Donc c'est sur du 5 3 et du 3, 5. Ouais. Oula! Con de sa mère. Allez, je regarde tout. Oh, t'en as deux! Deux BM, non, c'est ça? Non, t'en as quatre, pardon. Non, t'en as deux. Il y en a que deux. C'est que deux BM, c'est ça? Non, c'est, tu fais tes saves à PA moins 4, dégâts 1 et 2 mortels. Ça fait un mort. Mais fais tes deux saves quand même. Si t'as une 2 plus, ah, bah, il m'a mis moins 1. Bah oui. Ah oui, non, non, ça compte pas sur la vue. Il a pas d'un vue. Non, j'ai pas un. Ah, j'ai mon invue à 6. Ah, ouais, bien vu, artiste. Allez, à 6. Non. Il est un peu vulgaire ce. Donc 4 PV. Un peu vulgaire. T'as entendu ce qu'il a dit comme grossièreté? Non, non, c'est pas les lances qui avaient 3 fois blessé. Putain, je te jure. C'était les dés blancs, les lances. Il y en a pas une qui a blessé de lance. Merde! Je peux riposter. C'est les dés. Non, non. Je vais riposter. Non. Là, d'un coup, je vais te mettre un moins 1 pour toucher. La riposte de Hugo dans le corps à corps. Moins 2 alors. Ouais, tiens, je vais te faire des 6. Touche à 4. Ah. Un 6. Et une touche de plus. J'ai fait un 2 et du 2. J'ai baissé un 3. Non, mais en fait, attends, c'est 2, d'accord. C'est de la chance, hein. T'as de la chance. En vue 5, hein. Dégâts 2. Dégâts 2 en vue 5. Donc sur le dé pimpin, il y en a un qui meurt. Sur le pimpin. Il meurt. Et sur le dernier. Ah, hop, à 4 plus, pardon. Oh, salut la WAG, oh, ça va bien, merci. Je comprends. Et donc, ah, réussi. Donc il reste l'exarc full PV. C'est ça. Tac. Et tac. Je vais faire mon bras tout de suite. Oui. Manolo n'aura pas de morale. Non. Voilà, trop. Raté. Ça, c'est, voilà. Est-ce que notre humeur. Donc, les Meganovs viennent de fuir. Nickel. Fait. Merci. Ça va, c'était nickel. Merci, Hugo. Tiens. Merci. Non, mais tu peux me serrer la main. Ah, bah, j'avais pas envie, mais bon. Allez. Bah, écoute, fin de mon tour. Mm-hmm. Alors, fin de mon tour. Où nous en aime, où nous en aime. Au niveau du scoring. Qu'est-ce que tu nous fais maintenant? Alors, au niveau des secondaires de primaire, j'en tiens 1, j'en tiens 2, j'en tiens 3. Donc ça fait 3 points. Tout à fait. Kane, 4 points. Non, 1 point. Non, 4. 1. Hein. 4. Tu m'as pas détruit au close. Bah, peu importe, c'est sur tout le tour. Ah, je suis mort. Bah, c'est pareil. Je suis mort, j'ai fui. Faut que tu détruises une unité avec un aspect warrior. Faut que tu la détruises au corps à corps ou le tir. Ouais, ouais, il a raison, hein. Tu les as pas détruits. Ok, c'est pas un bon choix alors. Ou après, tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait ce tour-ci, et après l'assassinat, j'ai tué Killrig, donc ça fait 3 points. Voilà. Il a pris combien de points? Ah, j'ai un moral ici avec les boys. 7. Les moral des boys. Allez, le 1 du moral des boys, il est là. Oui, Gazgul est mort déjà il y a un tour. Il a eu combien de points primaires, Hugo, au début de son tour? À ce tour-là, il met 4 points. C'est ça.
Et on a deux CP chacun. Allez, on est là. Je cherche à voir. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Surveillez ces moves, hein, parce que... Ouais, je passe à ta place et... Je passe à deux PC, ça pas de... c'est pas compliqué. Je suis resté un petit peu avec le Kidri, parce que c'est du perso, et lui aussi. Là, j'ai commencé un petit peu à avancer. Là, il faut que j'aille chercher ça. En gros, là, je vais avoir mes deux points de quart de table. J'ai fait action avec les Gretchen qui sont mis là. J'ai avancé un petit peu eux en prévision. Là, je vais poutrer ça, du moins j'espère. J'aimerais bien exploser aussi celui-là. Détruire ça, en fait, faire en sorte qu'ils mettent que. Qu'on dire que 4 points. Et voilà. Ok. Et donc, du coup, on passe à la phase de psy. C'est là. Ah, il y a celle-là. Wow, phase de psy, oui. Le plus proche, c'est lui. À mon avis, c'est le serpent à côté de donc toi. Donc là, je vais juste faire l'amélioration des bouches des squeaks qui est ici. Donc en gros, c'est. Alors, je crois que c'est rugissement de morgue ou truc de gorge. J'ai plus le nom exact. En gros, les squeaks. Voilà, ouais, j'améliore les squeaks. Concrètement, c'est ça. Ça passe à 6. Ça passe. Et tu es trop loin pour ouais, dispel. Trop loin pour dispel. Donc c'est tout pour ma phase de psy. Phase de tir, vu qu'il a lancé un sort, il va pouvoir faire. Sauf des 3 touches. Des 3 touches sur la moto qui est ici. Je suis donc à 1-15. Je te fais des 3 touches automatiques. Je t'en fais une seule. Qui va te blesser à 2+. Qui te blesse. P à moins 3 dégâts. Je... défis, hein, c'est ça. C'est ça. C'est quoi tu m'as dit P à moins 3 ouais, sur 3 4. Voilà. Oui. 3 à 4. Parce que je l'ai payé le chiffre de 2 machins. Ah, c'est fort. J'ai décidé de tir. Toujours la même. Hein. Il y a beaucoup de choses, Manu. Touche pas. Et comme on voit aucun équipement sur les figurines. Si. De ouf. Je te ferai dire que le bouclier, il est sur la figurine. C'est vrai. Ouais, ouais, non, mais tu parles sans savoir. J'ai l'impression de parler au président de la FEC. Là, je vais lancer mes javelots dans L. Je vais toucher à 6. Donc, le petit javelot à dégâts 2. C'est jamais sur un. Soutenons pas les propos tenus ici par Manolo. Ça blesse. Ses propos n'engagent que lui et son équipe, les Anvils. C'est sur qui? C'est sur lui. Toujours sur lui parce que, ouais, t'as fait à moins 1. Il fait une touche à 6. Oui, il a. C'est ce que tu veux. Oui, voilà. T'as 4 plus. Voilà, c'est vrai. Moi aussi, bon, si bon, si je fais des 6, ça t'apprendra. Merci. Moi, je le fais, monsieur. Monsieur, moi, je le fais. Ouais, mais franchement, Manu, tu m'impressionnes. La façon dont tu es discipliné sur ce rapport de bataille. Écoute, c'est je passe à la phase de charge. Donc, fini la phase de tir. Bien rapide cette phase de tir. T'as pas les lance-flammes du. Non, parce que sur un malentendu, je détruis et puis j'ai envie de charger et de faire okay. Des trucs. Donc je vais pas risquer. Donc on passe à la phase de charge de l'or. Je vais charger ici. Est-ce que tu veux Overwatch? Non. T'es sûr? J'adore le t'es sûr. Poupe. J'ai un pas de soclé. Oh, pas mal. Gao qui nous fait quand on arrive en ville. On charge le serpent avec. Le boss, est-ce que tu veux Overwatch? Toujours pas. T'es sûr? Yes, oui, nouveau follow de Tanker 21200. Est-ce que Tanker, c'est le Tanker de qu'on connaît Tanker de la PU? Lui, est-ce que tu veux Overwatch? Toujours pas. Je suis sûr. T'es pénible. De toute façon, tu reprenais l'objet là parce que t'es super OP avec les boys. Ouais, mais je vais surtout détruire. Oui. Je vais charger avec le non, ça, c'était pas. Oui. Le plan, c'était que moi. Je puisse lui prendre l'objet pour oui, tout à fait. Ou du moins le contester pour qu'il marque moins de points, c'est tout. Mais je savais que c'était le dernier tour où j'allais encore. Ok, phase de corps à corps, hein, j'ai plus de charge. Alors, je te l'annonce avant que tu me poses la question. Je n'interromps pas. Et je suis sûr. Tu peux dérouler. Là, je vais faire. Hop, ici comme ceci. Là, je vais longer comme ça. J'espère les détruire. Là, parce qu'on a 3 PV. Et merci la WAG pour le sub. Il y a un monde où je te dis quand même. Et merci la WAG. Est-ce que ce sub de la WAG va donner de la force à Hugo sur cette phase de corps à corps? Il y a 3 PV de serpent à péter. 3 ou 2? 3. 3, ça devrait le faire. Non. Je fais l'attaque des squeaks déjà. Après, je serai mec dessus. Tiens, je touche à 2 vu tes véhicules. Et j'ai 6 explosifs. Hop, ça compense ici. Je te baisse à 5 plus. Non, j'ai force 6. Ouais, c'est ça. Mais j'ai plus 1. Ouais, mais en fait, j'ai plus WAG. Et. Goff, c'est caractéristique de force, donc ça marche pas sur les armes. Je fais quand même une BM et une sauvegarde. Une sauvegarde quand même, à faire combien? Moins ça. Donc à 4. Voilà. Réussi, donc, il reste un PV. Et j'ai bah, du coup les attaques des mecs dessus. Ça en voilà. Fait 1, ça en fait 2. T'as entendu le ton condescendant qu'il a pris quand il a fait sa 4 plus 1 vue? Bah fais lui payer ça, Hugo. Allez, tiens, voilà. 2, 6, c'est parti pour lance. Les deux as. Je vais le laisser. Là par contre, force 7 à 4 plus. Ouais, tiens. Voilà, ça en est déjà un peu plus. Il n'y a pas de BM, par contre, c'est à moins 2. Voilà tes points de karma, Manolo. Voilà tout ce que tu récoltes avec ton comportement. Indécent. Je vais tous les ouais, d'accord. Tous.
Je l'annonce. Presque. Alors, presque. Est-ce que tu exploses dans tes conneries? Alors, hop, que j'explose. C'est de voir. C'était non. Hop. Oui. Oh mon dieu. Alors, c'est à combien ça? Ça explose jamais d'habitude. C'est toi comme mon codex, non? J'y vais. Il est là-bas. Il est là-bas. Donc, c'est la 6 PM BM sur les Squig. Sur les Squig, c'est 6 BM flat, je crois. Hein. Oui, c'est même 9, je crois. Même 9? Ouais, 9 BM flat. Allez, c'est une toute nouvelle stat. Dans le codex. C'est à 6 et D3. Le codex roumain que t'as imprimé. Oui, serpent, c'est D3 à 6 pouces. Les Squig. Ah, les Squig 2, bien fait. Est-ce que tu tues ton. Ensuite. Ton Windrider là. Est-ce que je suis à 6 pouces d'abord? Ouais, je pense. Comme le Rhino là-bas. Non, le Rhino est un peu. Allez, sur mon gars, 1, voilà. Ah, ça va, tu t'en sors bien avec ton bouclier en carton là. Non, il y a 4 PV donc il y a 4 PV donc. 4 PV, oh, large. Je vais faire ma conso. Hein. Poupe, poupe, et poupe. Je n'interromps pas, tu peux y aller. Et tu peux enlever ton serpent. Tu peux enlever ton serpent. Non, je vais commencer avec lui déjà. Est-ce qu'il explose? Il n'a pas entendu. Non, mais il peut enlever le serpent mort, Manu. Il peut enlever le serpent. Ah oui, celui-là? Pourquoi? Ah oui, c'est vrai que oui, je veux bien. Effectivement. Et t'as perdu de PV, tiens, je peux aimer là. Je touche à 3. Et je fais attaquer le dread sur l'autre serpent. Ouais. Et je passe à 3 plus, tiens. C'est la première fois. Il y a moins 3 dégâts 3. Elle est sale, celle-là. Oh là là. Voilà, ouf. Parce qu'il explose. Pas deux fois quand même, c'est assez long. Double serpent mort sur ce tour. Il explose. Allez. Non. Oh, alors, non, monsieur. Ce qui me permet d'activer dès à présent mon boss sur Squeak qui va faire son pin et sa consolidation vu qu'il a chargé. Vers l'unité ennemie la plus proche. Vers l'unité ennemie la plus proche qui est donc celle-ci, histoire juste d'être un petit peu protégé, on va dire. Tu peux activer tes boys. On va gagner du temps. Là, et là, tu vois, puis il me dit merci Manu. Merci Manu. Voilà. De rien Manu. Alors que j'étais sûr de réussir toutes mes CBM vues. Mais ouais, bon. T'as pas eu de chat. C'est... Il y a la WAG qui nous dit vas-y, rase-nous ses oreilles pointues, Hugo. Parisien, va. Tu ne sais pas parce que t'es un Parisien. J'aime pas les Parisiens. Il y a Poly5454 qui nous dit un gros bravo particulier à la technique qui, depuis hier, nous offre un live de gros jeu 40K. Bravo à toute l'équipe Creative Wargame pour cette FDS. Je sais pas ce que c'est qu'une FDS. C'est point. Attends, je suis en train de voir si je fais bien ma tournée. Feuille de score. Feuille de score. Peut-être. Attends, je vérifie. J'sais juste pas. À la fin, si je fais bien ma conso ici avec lui. Difficile, je suis de haute savoir en traitement. Oui, mais c'était une autre personne. Fin de semaine. Alors, celle-là, l'acronyme FDS pour fin de semaine, celui-là, je le trouverai pas, celui-là. Je l'aurais pas trouvé non plus. J'ai tué mon stick, je suis content de moi. Ah, bien joué. Je pense que j'ai plutôt en fait resté là. Parce que en fait, il y a un monde où tu peux me buter. On a dépassé les 3 heures. Est-ce que Poulidor est sur le chat? Non, il est pas là. Il est pas là? J'ai pas vu Poulidor. Quel dommage. Parce que sinon, j'aurais fait une spéciale dédicace à Poulidor. Il sera là demain, je pense. Non, mais en fait, faut que je reste là. Ça sert à rien. Je vais me mettre ça. Et basta. C'est québécois comme actualisation. Ok, fin de mon tour, du coup, je mets 2 points de quart de table. Je mets 3 points de prôner les matchs. Ah, un peu vite, mon bon. Pardon, 2 points de quart de table. Et toi, alors, en fait, Hugo, t'es pas suivable, quoi. T'as des moments de latence, on est tous là, et d'un coup quand tu actives, on est perdu quoi. 3 points de primaire. Alors j'ai 3 points de primaire habile, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, exactement. 2 points de secondaire. 2 points de carota, parce que et j'ai un rouleau ici, j'ai un kill là, et voilà. Et 3 points de prenez les morceaux de choix. Donc ça fait 8 points à ce tour-ci. C'est exact. Tu passes donc à 28. Manu, tu mets combien de primaire? 4. Ouais, 4 c'est ça. Tu passes donc à 43 Manu. Et tu passes surtout sur ton T4. Yes, alors on prend un PC chacun. Tu passes à 3. Yes. Alors là, c'est ça que ça commence à se compliquer. J'ai quand même fermé des du destin. Oui, ça peut être. Merci. Il y a ton petit tac aussi. Hein. Merci. Hey. Nouveau follow de Flow Wolf, bienvenue à toi sur Creative Wargame, ça fait super plaisir de voir tous ces follow, tous ces subs dont vous nous avez saucé pendant ces deux premiers jours de championship. On attend le max, les gars, demain ça va être le feu de Dieu qui va s'abattre sur la planète Twitchos. Alors, c'est à ce moment-là que les Athéniens s'atteignent. Hein. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai reculé mes gugus là, mais tout mon ensemble de psycheurs ici. Hors ligne de vue. Il y
Yes. Ceux-là de Vengeurs qui sont super OP se sont mis à porter des orques qui sont là. Les motos là se sont mis à porter des orques qui sont là tout en pouvant tirer sans passer par les 20. Les Vengeurs qui sont ici, eux, n'auront pas le choix. Lui s'est mis à 6 pouces du centre pour pouvoir faire son action psy. Le Grand Prophète avec son pistolet d'or est venu ici. L'exarque Lance de Lumière est parti de cet objet pour venir se mettre ici. Et puis voilà, le but étant de nettoyer un maximum ce qui se passe par là, pour l'empêcher de scorer notamment le quart de table, et de me positionner sur au moins 3 objets, et puis Aléa et Jacques Taest. Très bien. Phase de move terminée, phase de psy. C'est parti. Allez. Phase de psy, est-ce que je vais récupérer un PC? Non. Donc c'est qui lançait ça? C'est lui. C'est lui. Il va lancer un guide. Yes. Non. Sur... Ça va être un guide. Non, c'est 6. Non, ça a changé. Et on a le retour de Nurgle Matthew avec six, nous sur le chat. On va le mettre sur eux. C'est Malédiction qui a 7. Enlève-moi ton maudit maître. Donc, eux sont guidés. Donc, lui a terminé. On va utiliser... on va utiliser un 6 en psy-auto. Qui fait ça? Ici. C'est avec ces fameux dés, c'est vrai que je ne vous les ai pas montrés. Il y avait un 6 en plus ici qui permettait d'avoir le 6 au psy. Pour faire une action psy. 6 et 2, 8. On dispelle avec la Kidrig, à 9. Je rigole ça. Ça sera 2 PC pour que ça fasse 9. Non. Ok, donc moi j'ai capé mon Warp Ritual. À 12? Yes. Bien joué. Tu l'as pas fait au tour d'avant? Oui, c'est pas les deux tours d'avant, oui. Non, tour 4, tu peux l'avoir pas fait à 12, c'est à 9. C'est à 9, ouais. Tu l'as fait 3 non, fois. Non, tu l'as fait 4 fois. Ça tombe bien, il suffit de le faire 3 fois pour le caper. Il fait 4 points le rituel de... 3, 7 et 12. 3, 7, 12, donc il est capé. Ah ouais, ok, je pensais que c'était 3 points que tu le faisais. Donc 6, donc. Ça va, j'ai pas l'impression que ça t'a coûté beaucoup d'efforts de le faire ce truc-là. Bah écoute, à chaque fois il a essayé de le dissiper, il aurait pu le dissiper à chaque fois. Mais j'ai raté à chaque fois. Mais à chaque fois il a loupé. Pourtant j'ai reroll, hein, j'ai essayé, j'ai fait ce que je peux. À chaque fois t'as pété un 6, non? T'as utilisé un. J'ai pas mal utilisé de 6. Ouais. Yes. Je, le TS gagne. Je dois le concéder. Le score de Manif, non? Il y a Bubba Machoman qui nous dit Jean-Claude Dross. 102. Juste voir un truc. Donc lui il va. Ok, il y a 4, 5, 6. Il va rester là. Il est à 49 là. Eux. Il y a 49. Eux ne vont rien faire. T'as rajouté les 6 points? Lui. Donc le grand prophète. Puisqu'il est à 12 de secondaire. Tente de faire une petite malédiction. Qui passe à 11, donc à 24 pouces. Le Dross, il est à 49, c'est ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Donc on va mettre sur. J'hésite. Il faut pas que j'hésite. Je vais mettre sur lui. Tout à fait, bah vous voyez que la sieste au dress a été magnifique. Est-ce qu'on aura les replays, demande la classe? Oui, vous aurez les replays sur YouTube à partir de la semaine prochaine. Et comme deuxième sort, il va faire un smite. Hop, est-ce que ça passe? Oui. Et ça fera 2 PV. 2 PV, celui-là, ici, c'est le plus proche. On va appuyer sur un autre. Allez, ça c'est fait. Là-bas, c'est quoi? C'est Doom et Fatalité. C'est pour savoir où sont les. Où est okay, Doom et où est Guide. C'est quoi? Il y a une unité qui est spotée avec ça? Voilà, alors, cette unité ici, elle est à Guide. Ouais. Et les Vengeurs qui sont ici, en Guide, donc à reroll pour toucher. Et le Rhino qui est là-bas, le Truck à Doom. Donc les unités corps auront. Les personnages auront la reroll pour blesser. Ok. Phase de psy terminée. Phase de tir. Ouais, phase de tir. Phase de tir, on va commencer. Shooting phase. On va commencer par. Tout seigneur, tout honneur. On va commencer par le grand prophète sur le Renault.
Alors attends, juste yes. deux petites secondes, dis-moi c'est qui? Le grand prophète qui est ici. Yes. Va utiliser son pistolet d'or pour tirer sur le truck qui est là-bas. Mmh. Le truck qui est nommé. Ok. Enfin, vas-y, tu peux envoyer la sauce. Donc 3 touches. Prends 4 BM. Ça fait déjà 4 BM. Et. Force 6, donc c'est sur du 3. Du 4. Non, du 4. Donc je reroll parce que tu es doublé. Et ça fera 2 BM de plus. Donc 6 BM. Ce gars-là, chaque fois qu'il touche, il met des BM. Oui, alors en fait, il blesse. Alors il a un trait de seigneur de guerre et une relique. Quand il blesse, il met une mortelle. Ouais. Et son trait de seigneur de guerre dit, quand il blesse sur du 6 non modifié, il met une mortelle également. Okay. Donc comme ça vient de deux sources différentes, ça stack. À chaque fois que tu fais un 6 pour blesser, tu stack. Ouais. Tu l'as mis. Donc c'est là qu'il y a intérêt, l'intérêt il est d'utiliser les dés du destin qui blessent automatiquement, qui touchent automatiquement, okay. Parce que ça fait des 6 naturels. Ça marche. Et donc là, voilà, il a fait ses 6 BM tranquille. T'as fait 6 BM du coup sur le rhino, sur le truck. C'est exactement ça. Et il t'en reste ? Il en reste 4. Il en reste 4, ok. Ben, on va continuer à tirer dessus avec les Rangers. Je vais te tirer dessus au fusil. Ouais, le vrai Snoof, je suis super content de revoir les poteaux. Merci, merci de t'en inquiéter. Et coucou à toi, le vrai Snoof. Sur du 5. Du 5. Donc ça te fera 3 et 2 mortels. 3 save et 2 mortels. Tout à fait, Bob. Donc je reste 2 PV, 3 save à 5 du coup. Et ça, il est mort. C'est 2 BM. Ce qui explose. Ah, ça serait bien qu'il explose. Hein. Bah non. Ah, attends, je remets la diago. Non, ne t'embête pas, c'est bon. En fait, le truc était ici. Il est lié, puis voilà. Oui, voilà, oui. Pouf mallette, comme on dit. Ça m'arrange pas de l'avoir tué, en fait. Je m'allais pas le tuer, mon gars. C'est con. Ah, oui. Je pensais qu'il allait plus résister que ça. Ah bah, c'est le jeu. À l'endurance du haut. Tout à fait. La différence entre Bob et moi, là dans l'immédiat, c'est que j'ai pas de casquette. Alors, maintenant, on va faire tirer les rouges qui sont là. Sur les gars qui sont là. Bon, bah, je pense que ça va être vite réglé. Hein. La question est vite répondue. La question est vite répondue. 2, 3. À votre avis, la question est vite répondue. Quand on voit le saut de deck prépare Manu. La question est vite, très très vite répondue. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'ai pas cette vie en plus. J'ai pas assez de main. Le guide c'est plus 1 ou le reroll? Je sais plus. C'est plus 1. T'as juste 5 PV à mettre, hein, tu n'énerves pas aussi. Ouais, mais regarde, je fais pas de 6. Ah, désolé. Oh. Je déchatte complet, regarde. Je relance tout, gagne un autre 6 là, en plein milieu. Ouais, ouais. Alors ça c'était un 2. Ça touche pas. Tu relances tout, tu refais des 6. Je jamais sauvegarde. Ah, t'en tues 1. Et t'as encore 2 PV à faire déjà. Pour ça, t'aurais relancé, t'aurais fait des 6. Ah, tu vois, regarde, il fait du 6. Je fais pas de 6. Je fais pas de 6. J'ai shot complet. On va pas pleurer pour toi, Manu. Hein. Sur du 5. Je te blesse sur du 5. Ouais. Attention, il bah, y a quelques invus. Ouais. Oui, ils sont ça là, suffit. Là. Ouais. Ceux-là sont morts, on n'en parle plus. C'est on va faire tirer les bleus maintenant. Alors attends. Tu m'as dit, ils réduisent les dégâts ou pas? Pour l'instant. Mais comme je ne me suis pas très bien positionné, je pourrais pas lui tirer dessus. Donc les bleus vont tirer sur cela. Il y a une question pour toi, Hugo, de la part de Bob. Il y a une Kiri qui n'est plus sur la table, elle a une crevaison à Mirama. 7. C'était pas Mirama, c'était Aix-en-Provence déjà. C'est ça comme question. Et je crois qu'il y a eu une très 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 grosse crevaison, ouais. Il y a tout qui a crevé. Et t'as un fan. C'est ça. Non, c'est Bob qui a un fan. Donc là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de zéro, il y a pas de malus. Alors ce sont les bleus, ouais. Les vengeurs bleus ici qui tirent sur les orques qui sont là. Ici et là. La question est vite répondue encore. Vas-y. Pas tant que ça, parce que ces dés-là ne sont pas décidés à faire des 6. Ouais. Ah, le G est pas terrible, effectivement. Est-ce que tu vas sacraliser la blesse? Je te blesse sur du 5. Oui. Ah, il y a une série de couverts. Ah, mais t'as de la PA. Bah, regarde, pour les blesses, il y a pas mal de monde.
Ouais, bon, ok. Ça va, t'as lissé, t'as rattrapé la stat sur la blesse, on va dire. Ça commence à être tant d'axes. Ouais. Non, mais ils sont morts. Sera donc la question était donc vite répondue, encore une fois. Voilà. Yes. Donc du coup, bah, les mots... j'ai oublié de les bouger. Tu me permets de les bouger? Non, absolument pas. Non, ça va, merci. Vas-y, moi je te permets. Moi je permets pas, c'est toi qui joues. Oui, c'est moi qui anime. Et les rouges. J'ai un pouvoir supérieur aux joueurs dans cette partie. Quelle animation. Tac, allez. Ça queen facilement l'Eldar, hein, ça nous dit. Mais exactement, mon mec, il queen facile le Manu. Après, t'as le véhicule derrière qui réduit pas les dégâts. Hein. Ouais, mais... Lui, ça m'intéresse plus de le tuer. Ah, je m'en doute. Qui c'est qui va t'y en tirer? Alors, j'ai les motos. Les motos qui sont au milieu, qui sont là. Qui vont tirer sur le... Qui vont tirer sur le boss qui est là. Ah, j'ai moins un. Alors, tiens, pour une fois, je fais des 6. Donc, tu touches à... 4 plus. Voilà. Laisse à 5. T'as pas besoin de blesse? Non. Un fin de pain? Non. Moi, je prends les 2 PV, hein. Et puis voilà. Donc, il te reste quoi, je vais bouger de 5. Ah, tu as reculé de 5. Il te reste quoi à faire tirer? Il te reste lui et les rangers qui vont. Lui, il va tirer. Est-ce qu'il a 18? Ouais, il a 18 du kilo. Je pense. Il va tirer. Puis... Je me permets de mesurer. Oui, vas-y, je toi. Mais permets-toi. Oui, largement. Il n'y a pas de malus, donc il y a 3 touches. Une blesse, AP à moins 3, un dégât. Est-ce qu'il bouge? Oui, il va bouger. Il va bouger de 2. Et ça sonne la fin de la phase de tir de Manolo. Yes, et pas de charge. Donc fin de mon tour. Donc, alors, au niveau du scoring. Fin du tour 4 de Manu, la main est à vous pour le scoring, les amis. Alors, j'ai 2 points de secondaire de primaire. C'est mis. J'ai capé mon Warp Ritual, donc ça c'est fait. J'ai un point de couleur de Kain. Un point de couleur de Kain, donc ça fait 3 points supplémentaires. Ah, ah, d'accord. Score. On est d'accord? Tout à fait. Et donc, du coup, Hugo, à son tour 4, va marquer 8 points de primaire. Ok. Et est-ce que tu marquais des choses à la fin de son tour, morceau de chair, beast, carte de table? Pour l'instant, non. Non, c'est à mon tour de mettre des points. On attaque le tour 4 de notre ami Hugo. PC. Alors, vu que Manolo vient de partir, donc là, en fait... Il est là. Je disais que je récupérais un point de oui, commandement. Je les ai notés. J'en ai 4, t'en as 3. Ouais, mais en fait, je voulais dire que j'avais triché, mais Il était pas loin. Ah, c'est loin. Non, alors, j'ai fait l'action avec ma carte. Tu ne triches pas, l'or ne sait pas compter. Donc, là en fait, ce qui se passe, c'est que là, je peux pas aller chercher. Par contre, je vais enlever son objectif là, il mettra 4 de primaire. En fait, il a combien? C'est quoi le score là? Si t'as et je crois qu'il est à 52, ouais, c'est ça. 52, donc il sera à 56. Assassinat, il va monter à 59, on va dire. Peut-être 60. Là, c'est ton quart de table qui est en train de pêcher. 62. Je vais mettre un quart de table à 2 points. Je vais essayer d'en mettre un quart de table à 2 points au prochain tour, ce qui ferait 8. Faire l'action. Donc là, ce que Hugo est en train de faire, je crois que je peux te laisser reprendre la main un petit peu. L'unité de Gretchen qui était là advance à 6, donc il les a bougés, je ne les vois même plus tellement ils sont petits. Il les a bougés de 12, hein. Ils ont embarqué là-dedans. Ils ont embarqué dans le truck qui est juste ici, et du coup l'unité qui était cachée juste là derrière la ruine est venue ici. Pour faire les secondaires du coup, morceau de chair, et il va pouvoir mettre 6 points à ce tour. Pas de psy, en vrai, je peux peut-être avoir une ligne de vue sur elle. Si je booste ses armes de mon squig. Oui, est-ce que j'ai une ligne de vue là? Oui. Je vais utiliser le sort pour booster les armes de squig. Il y a aussi. Ça passe aussi. Tu peux pas dissiper. Oups, ça dissipé. Désolé, c'est tombé. Et puis autre sort, il ne veut pas lancer ça parce qu'il y a pas un péril bêtement. Donc c'est passé? Non, c'est passé. C'est dissipé. Phase de tir, je vais mettre le cool de beurre à dégâts 2, donc temps E. Et touche de lance-flamme là-dedans aussi. Touche de lance-flamme, une seule touche qui blesse à 2, donc les gardiens. Qui blesse. Perd moins 3, donc tu as une seule à 6.
J'ai pas tanké, ça fait un mois. Dégâts des 6. Non, 5. 6. 6. Et des 6 tirs. Enfin, des 3, des 6 tirs, dégâts 2. Qui touche à 6, c'est 5. Non, qui ont touché à 5 plus, qui est chassé par la vente. Deux touches. Une blesse. T'es à moins 1. Non, t'en prends. Voilà. C'est quoi, dégâts combien? Dégâts 2. Dégâts 2. Ouais, dans la même unité. Tu n'as pas d'autre tir, il me semble. J'ai absolument pas d'autre tir et j'ai fait ma phase de charge tout de suite. Donc, déclaration des charges, le kill rig, je pense, dans le Warlock. Ouais, je dépense 2 PC, je fais une charge à 3D6 sur notre cher Warlock. Pas d'Overwatch J'en suis sûr. Oui. Ouf. C'est une charge à 15. Ouf. Ça devrait aller. T'es sûr? Je pense que ça se passe bien. Je pense que ça se passe bien. Oula, oula, oula. Voilà, une très grosse charge à 15. Je peux même essayer de. Alors je vais pas te coller, comme ça je vais tourner autour et juste essayer d'engager les vengeurs. Mais c'est pas une bonne idée parce que du coup tu vas me prendre objectif, donc non, ça m'intéresse pas. Et puis voilà. Hein. Fais tes attaques, hein. Oui, je pense que je vais découper ton machin. C'est possible. C'est... Si c'est une save. Ouais. J'ai une save auto. Donc si t'en, si t'en fais que deux. Alors 6. Et ben si. Salut Fred, si tu fais. Voilà, Bob, tes petites grenouilles le font. Sur la vue, en dégâts combien? Point d'exclamation liste. Dégâts 2. Il est BM à la charge. Il est mort. Ouais, j'étais même plus à ça après en fait. C'était juste pour assurer ma charge. Tac. Les BM n'auront pas eu besoin. Voilà. Tu peux conso et ça annoncera la charge. Je vais juste conso en gros. Ici, mais je ne mets pas sur lui. Le cœur au fan club. Le juste histoire d'embêter un petit peu dans ces mouvements qui viennent par là ou par là, qui font bref. On sort. Alors, on est à la fin de ton tour. Donc, qu'est-ce qui se passe à ton tour? Morceau de chair, tu fais 6 parce que tu mais fais. C'est capé à 5. C'est capé à 5. C'est capé à 5. Donc, tu mets 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, quart de table. Non, je sais pas, c'était pas un bon secondaire d'ailleurs. Tu mets pas de points de table. Non, je mets pas de points de table. Ok. Et primaire, tu mets 3. Primaire bis, je mets 3, ouais, c'est ça. Donc, ça te fait un tour à 8. Oui, exact. Donc c'est qui te fait passer à 44. Dernier tour, alors j'ai pris un PC. Au tour 5 de Manolo. Au niveau des premières, tu mets 4. Tiens, tiens, 2. J'ai quand même un test de morale. Et je vois Nito. Ah oui. Ah oui. Donc Manolo gagne 4 points pour l'instant. Il reste là, comme c'était prévu. Ça va prendre. Phase de psy. Phase de psy. Avant la phase de psy, j'explique quand même ce que j'ai fait. Vas-y, vas-y. Je me suis positionné ici avec les vengeurs pour pouvoir tirer sur lui. Lui, je vais lui mettre tous les bonus et les malus que je peux avoir, évidemment. Et te mettre tes 3 points potentiels. Ici, je vais tuer le pimpin, là. Tu vas essayer. Je vais le tuer. Avec lui, et si je passe mon sort, je vais venir prendre l'objet. Ouais, quicken, c'est ça? Ouais. Si j'arrive à tuer deux personnages et à prendre l'objet là-bas, je pense que j'aurais fait le maximum des choses. Je pense aussi, effectivement. Ça, c'est le plan. Il va attendre que ça se déroule sans accroc. Le plan, c'est une chose. Alors, on passe à la phase de psy des Eldar. Yes. Alors, phase de psy. Je vais quand même essayer de récupérer un PC ici. Donc, à faire. Ça passe. Ça passe, tranquille. Donc je monte à 6 PC. Tu as guidé, je pense. Lui-même va essayer de guider. Ça passe largement. Il guide les rouges à 10. Est-ce que tu veux le dispel? T'as le quicken. Hein. Oui, il y a le quicken. C'est le quicken que je dispel. Ah ouais, tu m'étonnes, je l'ai annoncé. Le mec, ouais. Il utilise ce que je dis. Exactement. T'as fait combien au guide? J'ai fait 10. Oui. Ça c'est fait. Il est mort. Lui va essayer de lancer une malédiction. Ça passe pas. Ça passe pas. Je vais le reroll. C'est reroll. Yes. Ça passe, passe toujours pas. Chier. Donc il n'y aura pas de doom à ce tour. Ouais, ça fait bien chier. Et on a encore 241 viewers à cette heure-ci. Il a fait un smite. Merci beaucoup. Je sais pas qui est le plus proche, mais bon, écoute, il fait un smite. Ça passe. C'est lequel qui fait le smite? C'est toujours le même.
Ça fait 2 BM. C'est lui ou c'est lui? Non, c'est l'autre. C'est l'autre, ouais. C'est sur ton killer. Donc tu perds 2 PV. Ok. Et maintenant le moment tant attendu. Le la célérité. C'est si c'est de 8. Ça fait. Ça ah, t'as fait. Ok. Ouais, il a fait son dé auto. Eh bien, je fasse 9. 8, ça passe. Non, j'ai pas envie. Ah, le CPRI, un CPRI roll aussi pour Hugo. C'est dispel. Et non. Ah, j'ai 8 pas à nouveau. J'ai pas dispel, hein, c'est voici les dés qui restent à Manolo. Donc, sur les dés du destin. Qui va venir là. Bon. Pour contester le jeu. Phase de psy terminée, phase de tir. À tout seigneur, tout honneur. Donc là, phase de psy, si on fait un récapitulatif, t'as guide là, t'as fait 2 BM là et t'as quicken. Voilà. Donc lui là-bas, il pourra plus rien faire, puisqu'après un quicken, on ne peut ni tirer ni charger. Mais... par contre, le grand prophète, il va tirer sur Macari. Je vais utiliser un PC pour proc les 6. Pour proc les touches sur du 6, l'arme shuriken. Une deuxième touche sur du 6. Yes, et je n'ai que des blessures. Allez, 2 touches, 2 BM, 4 BM, donc 4 Feel No Pain à 6. Il y a des Feel No Pain? Oui, il donne les Feel No Pain à lui et autour de lui. Attends, que je te dise pas de conneries. C'est ça, hein? Je vais reroll le 1 pour toucher. Avec un CP reroll. Yes. Ça touche. Ça touche et ça fait 2 BM supplémentaires. Donc ça fait 6 BM sur Macari. Allez. Eh ben non, la chance ne le sauvera pas. Bon, ça c'est fait. Et ce qui est fait, il n'y a plus à faire. C'est vrai. Il me reste une charge. Génial. Ah oui, il faut qu'il soit à 3 pouces de gasque en plus. Maintenant, il y a tout qui part là-dedans. Alors, on va commencer par les tirs anecdotiques. Donc, les deux tirs de pistolet ici. Deux touches. Ça va sur du 8 et sur du 6. Sur du 8 avec un des 6. Ça va être compliqué, 6, hein. T'as pas dit oui. Non. Rien du tout. Okay. Et maintenant, t'as tes guides. Maintenant, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 avec l'exarc. Donc, A3 full reroll. Yes. À 4, non, non, t'es dans le décor. Je suis dans le décor. Donc t'as 4 full reroll. Allez. 4 full reroll. Et il y a beaucoup de 6. Pour une fois que j'en fais, dis donc. Oh vache. Pour une fois que j'en fais. Non, il n'y aura pas de match Manix contre Manolo. Oh la vache. Bon là, le Kirig, il va prendre très très cher. Oui, voilà, c'est Chasso qui a gagné tout à l'heure. Et attention, la deuxième salve avec les rerolls, on rajoute des 6. Tu vois, tous les 6 que tu te plaignais que t'as pas, tu les as maintenant. Ouais, oh, c'est bien. Attends, c'est pas fini. Bah si, c'est fini. Non, les 6. Non, ça c'était non, pas touché. Là, oui, il y a juste les 6. Laisse tout lancer. Oui, laisse-moi blesser maintenant. Il y a de grandes chances que ce soit effectivement Manolo. Je blesse sur du 3. 6. Ah, du 6, t'es sûr? Oui, c'est vrai. Ouais. Et il en rajoute 3. Hein. Tiens, maintenant tu peux faire tes saves. Donc bah, tout ça d'un vu. C'est TP à moins 4. C'est plus à moins 4. Ouais, c'est chaud. Ça. Ah là, ça. Là, t'en réussis. Bah, non, donc ça fait. On a perdu 3 paix, donc il nous reste 13. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 2, 14. Ouais, est-ce qu'elle explose? Est-ce qu'il explose? Non. Non. Et je pense que ton tour s'arrête là, Manolo. Non. Non. Ah bon. Je vais pas s'arrêter. Non. Je vais utiliser 2 PC. Continue. On s'arrête plus. J'ai est-ce que tu bouges avec tes rouges et... J'utilise 2 PC, je fais mon Fire and Fade. C'est chiant. Et tu viens sur le bleu. Yes. Tac. Est-ce que les bleus sont à portée de quelque chose? Je ne pense pas. Ça tire à combien? 18, ça m'étonne. 18, peut-être 1 à la portée du dread. Ouais, c'est trop juste. Allez, bon. On va dire que non, comme ça c'est réglé. Allez. Fin du tour? Yes. Et bien alors, tu scores quoi? Alors. J'ai 2 points de secondaire de primaire. 2 points de secondaire de primaire. J'ai 1 point de Kane. 1 point de Kane, donc ça fait 3 points de plus. Bon, c'est fini. Et 3 points d'assassinat. Et l'assassinat, j'en ai tué 6 points. Donc ça fait 6 points ce tour. 6 points d'assassinat. J'ai tué le kill. Et Macari, 6 points, tout à fait. Donc ça fait 6 et 1, 7,
et de 9 points supplémentaires. Je vais pas aller chercher, même en sortant de moi, en fait, je peux pas. Non, je vais juste faire mes charges, je vais te découper en morceaux, et puis ça va être rigolo. Il y a pas de remontada ? Non, il y a pas de remontada. Bon, bah, mets un coup de bourre qu'on laisse tous se coucher. Ouais, on. Allez. Bon, ouais, je fais ma charge à 3D6 sur la Stico. On fait combien ce soir ? Jusqu'à 14h. On s'est pas tous levé à 15h. Tu peux rire. Je peux reroll, parce que j'ai raté ma charge à 3D6. Oh là, elle est bien réussie. Bah, comme ça, je vais te découper en morceaux, ça va être rigolo. C'était ton dernier CP, c'est ça ? Ouais. Ultime bafouille. Il va charger la reroll, c'est auto. Ouais, mais il a chargé à 3D6, non ? Il a fait une reroll, non ? Non, oui, il a reroll sur chez Orc. D'accord. Manu, voilà. Manu, il comprend vite, moi, il a expliqué beaucoup. Manu, il est 23h, là, il a dormi que 18h. Là, normalement, je te défonce ton mec. Désolé, mais 18h, c'est pas assez. C'est pas facile. Je vais mettre des taquets dans ton gardien, là, déjà. Il est dans le corps à corps ici, là ? Ouais. T'es sûr d'y arriver ? Sur du 2. Bah, écoute, visiblement, oui. Ça peut se passer. Ça, il va combien ? -3. Ah, c'est sur du 6 alors. Oui. Sur double 6, j'ai je suis un double 6, je vais me faire foutre. Bon. Le boss. Allez, je vais en CD quand même parce qu'on l'a pas vu taper, le pauvre. On est là. Il a 5 attaques, il touche à 2+. Mais tout qui touche. Incroyable. 4-6. Mais vrai. Non, il y a un as sur première attaque, ça te fait déjà ça de sauvegarde à dégâts 2. Yes. C'est sur du 4+, j'imagine, oui. Sur un vu. Oui, large. Bah voilà. Écoute, j'en ai pas réussi une. Donc tiens. Ça devrait aller. Merci. Et ça annonce la fin du tour du groupe. Ouais, mais il a chassé comme ça toute la partie aussi. Et ça fait plus 14 pour Hugo. J'ai abusé de ouf quand même. Combien ? Plus 14. Oh, tu peux nous le détailler ? Alors, il fait 8 points de primaire en ayant 3 objectifs. Il fait le secondaire avec les... Non, ça fait moins que ça parce qu'il n'a pas le tertiaire. Il n'a pas le primaire bis. Il n'a pas le primaire bis. Ouais. Donc, il met 5 points de secondaire avec les grottes. Oui. Ouais. Donc ça fait 4 points, plus les 8, ça fait 12 points. 12 points, il était à 44, il passe à 56. 56. À contre 65, donc ça fait 11. Ça fait 11. Mais écoute, merci bien. Bien joué. Je sais pas, mais on a joué, c'est le principal. On a joué, c'était le principal. Et on l'a joué dans un esprit tranquille, Ouais. Ça m'a rappelé ma deuxième partie du PGT, enfin, c'était génial. C'était bien. On est encore combien sur le chat à suivre nos deux wargamers, nos deux pépères. 227. Allez, 227. Ouais, il faut dire la vérité, il a respecté les anciens. Voilà. Il aurait pu enfoncer, mais il a dit non. Il a l'âge d'être mon père, donc... Fils. Ouais, c'est vrai aussi. C'est moi qui ai l'âge de ton père. Donc tu m'as laissé gagner, en fait. Oui, voilà, ouais, j'ai essayé. Ouais, exactement. On n'a plus le retour. On n'a plus rien. Ah. Ok, les amis, on arrive donc à la fin de ce quatrième et dernier quart de finale. La victoire est pour le Druss Turgescent. Félicitations à toi. Tu affronteras demain à 14h Chazo, Kazad, Anto. On l'a dit tout à l'heure avec Uro et Chazo l'a reconnu lui aussi. S'il y a une liste qui met vraiment en difficulté dans le roster, c'est la tienne. Mmh. Donc tu es prié de nous sortir Chazo du roster. Je t'avoue que tu nous enlèverais une belle épine du pied, moi, mon ami. Deux parties, une partie par jour, c'est difficile pour moi. Je comprends. Là, il faut que j'aille me coucher. On va quand même profiter de 2 minutes pour débriefer notamment le score. Manu, tu captes ton Kane à 8. Yes. Tu captes ton Warp Ritual à 12. Yes. Et ton Assassinat à 13. De son côté, notre ami Hugo... claque son 15 points de morceaux de choix. 15 points, 8 points de beast et 4 points de quart de table. Ouais, c'est là où ça pêche. C'était un peu la loose des quarts de table. Qu'est-ce que tu aurais pu prendre d'autre ? Eh bien. Bannière. Non, tu veux pas prendre les bannières. En fait, je pense que j'aurais mis forcément plus en prenant l'attrition orc, donc tu es plus au corps à corps. Mais j'ai pas voulu apprendre parce qu'il y a quand même les banshees, il y a les deux packs de moto, il y a Farcir qui peut quand même faire des blagues et même les vengeurs quand ils chargent des grottes ou des trucs comme ça, ils mettent leur PV. Donc je me suis sur un malentendu, il y a quand même un monde où je mets pas beaucoup, mais je pense dans l'idée j'aurais peut-être plutôt dû prendre. Après, normalement ce scénario-là il se prête bien au quart de table parce que je reste là, il y a toujours un petit truc là, et là je viens quand même mettre la pression. Donc il y a quand même un monde où je peux quand même mettre au moins 8 points. Bon, ça n'a pas été le cas, dommage, parce qu'il a quand même avancé assez rapidement. Et comme on a discuté ensemble... Il y avait un monde aussi où tu prenais l'interrogation mentale et juste en faisant deux fois, Ouais, j'ai pas forcément pensé à prendre l'interrupsi, mais généralement c'est un truc que je vais pas prendre parce qu'il En fait, il avançait avec ses personnages, tu sais, uniques qui perdent que 3 PV.
Et en fait, vu qu'il les envoyait un peu au casse-pipe, les psycheurs étaient loin, il avait juste à reculer Killery. Ouais, mais 6 points. Ouais, mais en fait, il n'y avait qu'un perso qui était sorti. 6 ou 9. Je pense, en fait, si j'avais pris un Théropsy, il aurait pu jouer autrement en mettant ses persos dans les transports. Ouais, mais du coup, est-ce que tu aurais perdu Gascule au T2? J'aurais pas perdu. Ouais, j'aurais mis plus là-dessus. Je tiens à dire quand même que cette séquence de jeu à Gascule 43, elle est quand même d'anthologie. Ah oui. C'est vrai, on a 40 races qui se fait tuer par Gascule, mais qui revient à la vie sous l'impulsion de la turgescence, qui à son tour va tuer Gascule, mais Gascule en mourant qui l'emporte avec lui, dans les tréfonds des enfers des royaumes d'Hadès. Ou pour aller faire des câlins, on sait pas très bien. On sait pas encore, ça n'a pas été déterminé par Games Workshop. J'ai vu des commentaires très intéressants. Premièrement, est-ce qu'il n'est pas pourri ce nouveau quart de table Néphim? Alors en fait, ça dépend des déploiements. Là, vu que j'ai quand même la projection et tout, peut le faire, mais en soi je commence à me rendre compte effectivement qu'il est beaucoup plus compliqué à faire. Et il y a aussi un autre commentaire qui dit pas assez agressif l'orc, non, et je pense que comment dire qu'il a raison, mais néanmoins c'est compliqué de jouer vraiment agressif contre un Eldar et of Doom, parce qu'il a vraiment la possibilité de me sécher mes deux Killrig en un tour. On l'a bien vu avec le ton farcir qui met des BM, il est capable de mettre 6 ou 8 BM comment dire en une phase, puis des vengeurs, appuyer avec ses sorts et tout. C'est pour ça que je préfère. Après, peut-être que j'aurais dû jouer plus agressif pour qu'il sache plus trop où donner de la tête, mais bon. Ce qui m'aurait arrangé en fait. Ouais, en fait. Parce que l'Eldar est très punitif. Ouais. L'Eldar est très punitif, ouais, en fait. Je perds mes Kirik T1. C'est que moi, j'aurais été content que tu me casses mes serpents pour avoir des pertes un peu sur les vengeurs. Puisqu'après, j'ai un stratagème. Je tire deux fois. Voilà, c'est qui pour me permet ça que... de tirer deux fois avec les vengeurs. Tu mets le stratagème qui proc les touches sur du 6. Ouais, ça devient. Et donc, tu te retrouves avec une unité même de 7 vengeurs. Qui fait très mal. Qui tire deux fois et qui proc les 6. J'ai une question pour Karandras. Ouais. Si tu peux pas leur ripoper en dehors d'une zone d'engagement, au plus proche. Au plus proche. C'est quand même au plus proche. Ok. C'était pas, même s'il était, il était engagé, lorsque tu le ripopes. Ouais, mais je veux dire, si tu le grabes, tant pis, il va. Ouais, oui, ok, tu peux pas l'empêcher de ripop. Il y a Ishari qui me dit Karandras, tu aurais pu le tuer au tir et finir au cac. C'est pas ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Psy et cac. 3 tirs, ouais, tu voulais le tuer au cac. Je voulais tuer au cac, tout à fait, avec Gascule pour assurer mes points. De toute façon, il est mort, il est revenu, il est remort. Mais je pense que j'ai fait une erreur avec Gascule. En fait, quand j'ai chargé, j'ai mal fait mon ping. En fait, dans l'idée, c'était de me mettre vraiment derrière la ruine pour pas justement qu'il puisse choper ligne de vue avec les vengeurs qui sont mis là. Donc en vrai, je m'économisais 4 PV quoi. Ok, les amis, on arrive à la fin de cette partie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu à vous deux déjà. Non. Ok. Non, je rigole. Non, franchement, il est éclaté ce jeu. Ouais, franchement. Putain, les vieux, c'est plus que c'est. Les amis, merci en tout cas à tous de nous avoir rejoints ce soir, de nous avoir follow, d'avoir sub, les gars. Vous nous avez envoyé un train de la hype de l'espace pendant toute la soirée. Ouf. C'était vraiment, vraiment cool. Vous êtes encore très nombreux ce soir avec nous. C'est vraiment, vraiment cool. On se retrouve demain matin, 10h. Je jouerai contre le poteau Kuro. Je vais affronter ces super Black Templars. Yeah. Et ensuite, du coup, à 14h, ce sera Manu qui jouera contre Chazo. Ouais, 14h, 14h15. Allez, non, ça sera 14h parce qu'après, il y a une finale. Il y a un truc qui va apparaître. Le résultat des prédictions est Manolo. Ah. Pour la victoire. L'Eldar, de toute façon, c'est pété. Je t'explique, les gens avaient prédit la victoire de Manolo. Maintenant, on donne la réponse et comme ça, ils gagnent des points. Mais moi, j'avais prédit de perdre 12-8 ou 13-7. Au final, j'ai quand même sauvé 9 points. Je pense effectivement mon choix de secondaire était peut-être pas le plus judicieux. Ni j'aurais peut-être aussi pu jouer un peu plus agressif. Mais c'est combien de choix final que je moi, sur le site un petit peu à manger au début parce que ça m'intéressait que tu te rapproches. Parce que premier tour, tu t'es bien déployé. Non, mais j'ai 75 à 60. Donc c'est pour ça qu'au début, je me suis un petit peu exposé. J'ai pas mis les points de peinture. Là, j'ai fait une couille, c'est quand j'ai sorti mon pack de boys, en fait, que j'ai mis dans la pampa, en fait, j'aurais dû me dire... Bon, t'as raté ta charge aussi, c'est ouais, pas... mais j'avais une charge à neuf, tu vois, j'ai fait oui. Une advent, après, j'aurais dû me dire que c'était un peu... Tout le monde s'appelle pas Kuro pour faire une charge à neuf. Il faut voir, faut voir un truc, c'est que... Il valide. C'est vrai. De, tu vois, en partie équipe ou War Master, etc., on va chercher à faire le plus de points possible pour creuser l'écart. Là, sur un format comme celui-ci, il suffit de gagner d'un point. Et voilà. Donc en fait, il y a des moments où plutôt que prendre un petit peu des risques, etc., tu joues un peu plus sécure. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai vu qu'à un moment donné, je menais au point. Donc même si je savais que tu allais terminer, que tu allais marquer beaucoup de points sur le cinquième tour, ce que je voulais surtout, c'est garder un matelas de points suffisant pour empêcher la catastrophe en fin de game. Tu es en train de nous faire croire que tu avais une stratégie Oui, la stratégie était simple.
Personne. Il suffit d'avoir un point de plus pour gagner sur ce format-là. Donc. Non, et puis bon, le dard s'est pété, il faut le dire. Ouais, moins que voilà. Toi, mais c'est vrai que c'est pété. Ah, c'est j'ai hâte de voir cette partie. Compliqué, hein. Ah, pour l'or, c'est compliqué, le dard. C'est, ouais, c'est très, ouais, très, très, très chaud. Pour beaucoup de match-up, le dard est quand même. Ah, ouais. Et vice versa. Enfin, j'ai eu les couilles de l'emmener au WTC. Hein. Enfin, j'ai eu les couilles de l'emmener là-bas. Couilles de mammouth volues. On est 4 orcs au WTC sur, je crois qu'on est 160 tour up, je sais pas si tu le sais. Non, 146. 146, voilà. Donc, 4 orcs, effectivement. Et c'est Bob le tampon au War Master. Ouais, ouais. Bob le tampon. Bob le tampon, c'est plus Bob l'éponge, c'est Bob le tampon. Ok, les amis, c'était très cool. On va laisser l'antenne. On se retrouve demain matin à 10h pour la première demi-finale. Necron Black Templar. Plaisir et nous on va squeeze le live, on va modifier donc demain on joue le scénario 11 sur la table 2. 11 2. Ouais, c'est 11 le recovery relic. 11 2, on va mettre ça en place comme ça on sera tranquille pour demain et je vous propose de nous retrouver en live les amis. Bonne soirée à tous, bonne nuit, reposez-vous bien, soyez motivés, soyez chaud pour demain parce que ça va envoyer du lourd. Bon, allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut.